nous sommes ensemble pour 2 heures de direct sur Europe 1, 2 heures volées à la nuit pour parler de vos doutes, de vos incertitudes, de vos bonheurs au 39-21 où Jeanne et Paul vont vous accueillir chaleureusement, ainsi que Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et bien sûr, à tout moment, je compte également sur vos mails, sur le site europe1.fr, ainsi que toutes vos réflexions, vos commentaires, vos suggestions par SMS au 739-21. Et n'oubliez pas de commencer votre message par le mot « nuit ». Cette année, la libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Bonsoir Charlotte. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Donc, moi, en fait, je voulais passer à l'antenne parce que déjà, je voulais vous donner de mes nouvelles. Dernièrement, j'étais passée pour des raisons professionnelles et effectivement, vous aviez raison, il y a du mieux. Je commence une longue période d'essai en juin, donc dans le domaine, en fait, du maraîchage ou de l'espace vert. Donc, j'espère que ça va bien se passer. Et puis, c'est chouette. Pense, c'est... Vous commencez là, très prochainement, alors, en juin, c'est la semaine prochaine. Et puis, en attendant, j'aide un petit peu ma famille parce que j'ai un proche qui a quelques soucis en ce moment. C'est vrai que ça me perturbe un petit peu, mais je suis là. Voilà, j'oublie pas mes proches, ça me paraît important. Et puis, je me suis remise un petit peu aussi en question et tout. Et puis, quand je disais en fait que ma famille était un petit peu sur mon dos, je pense que quelque part, quand j'allais pas bien auparavant, j'étais peut-être aussi un poids. Et ça pouvait inquiéter, effectivement. Et par contre, effectivement, dans une famille, effectivement, parfois les relations sont un petit peu conflictuelles, où la position des parents n'est pas toujours très toujours. Mais pourquoi est-ce que vous pouvez me redire juste pourquoi votre famille était beaucoup sur votre dos? Vous avez quel âge déjà, Charlotte? Si vous voulez, c'était, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais perdu. Non, il faudrait me redire un peu parce que là, franchement, j'ai du mal à raccrocher. Alors, un peu les wagons. Si vous voulez, en fait, j'avais perdu ma maman très jeune. Oui. Donc d'une maladie un peu difficile et donc en fait moi je l'avais très très mal vécu sur un très long laps de temps. Ce que j'avais peut-être pas évoqué à l'antenne, c'est que j'avais eu des difficultés financières également dans ces moments-là. Donc je m'étais retrouvée dans des situations, là c'est toujours un peu ric-rac, mais je commence un peu à m'en sortir. Je suis aidée par quelqu'un qui est relativement très très lucide sur le plan financier et ça me remet un peu du plomb dans la cervelle. J'ai encore quelques soucis vis-à-vis à un moment donné de mon côté un peu geek entre guillemets. C'est vrai qu'il faudrait que je me calme encore un peu, mais les choses s'améliorent petit à petit. Et je suis dans une structure où on me propose d'y aller progressivement et c'est vrai que ça me fait du bien parce que ça me permet de me retrouver quelque part comme j'étais avant, à 18 ans, beaucoup plus calme, posée et tout. Et puis, il y a quelque chose qui change tout doucement, qui prend une autre forme. Mais je me souviens de vous maintenant. Je me souviens quand vous parlez de votre, vous aviez perdu votre mère le soir où vous m'aviez appelé. Vous étiez assez survolté. Vous étiez pas bien, mais vous étiez très très survolté. C'est vrai que là, vous vous exprimez de façon beaucoup plus posée, plus apaisée. Alors c'est vrai que ce qui est gênant, d'ailleurs je vous l'avais signalé, j'avais dit que ce soir je pouvais peut-être être un tout petit peu nerveuse à certains moments parce que je suis un traitement thyroïdien et ce matin je suis allée faire mes examens. C'est vrai que ce matin j'ai pas pris mon remède, donc c'est vrai que dès que je le prends pas je peux être un petit peu nerveuse. Et c'est vrai que ça aussi, ça jouait relativement sur votre humeur, la thyroïde, les problèmes de... Si vous faites de l'hyperthyroïdie, ça peut même rendre un peu agressive. Bon, c'est vrai, je m'étais fait opérer juste dans les moments où ma mère décédait. Donc quelque part, ça m'a un peu soulagée, mais en même temps, je vivais un choc, si vous voulez. Oui. Donc ça a été un peu un combat de tous les jours. Mais là,
effectivement, le fait d'être sur une structure qui est plus adaptée, vous savez, on parle d'entreprise adaptée en milieu ordinaire, je n'ai pas de honte à dire ça parce qu'il n'y a aucun souci. C'est bien parce qu'on est encadré quand même avec des médecins. C'est pas honteux du tout. Et puis c'est progressif quelque part. Et comme effectivement, malheureusement, c'est vrai que professionnellement, j'avais fait que des formations et tout, là, on m'offre un pied à l'étrier, quoi, quelque part. Alors, je vais faire une petite note d'humour. C'est vrai que quand je faisais de l'équitation, je me prenais que des remparts. C'est vrai, j'ai du mal à passer des obstacles. Mais là, ça peut être l'occasion. Rien n'est impossible. Et puis, vous n'en faites plus d'équitation ? Pardon ? Vous n'en faites plus d'équitation ? Non, parce que c'était trop cher. Et puis, c'était vraiment quand j'étais petite, je suis passée par diverses activités qui m'ont fait du bien. Mais c'est vrai que, par exemple, le chant me manque. Ça, c'est vrai, c'était ma première passion. Mais la nature me fait du bien. Et en outre, je fais des activités, de la plongée, du ping-pong, en plus, de la photo. C'est des petits trucs, des petits ateliers comme ça qui vont me permettre aussi de me resocialiser un peu avec les gens. Parce que c'est vrai que j'étais un peu toute seule. Et comment ça s'est mis en place, là, ce milieu plus protégé ? Alors, par une structure de réinsertion, en fait. D'accord. Voilà, donc c'est pas... Et vous pouvez avoir des aménagements dans vos horaires exactement, de travail. Ouais. Ça, c'est vos thérapeutes qui ont obtenu. Alors, ça vous avez... passe par mon thérapeute et je suis suivie par une structure où il y a des médecins. Un hôpital de jour ? Non ? Pas non. Vraiment. C'est une association, en d'accord. Fait, bon, mais c'est bien. De réinsertion, en d'accord. fait, pour, qui s'occupe principalement des... Parce que j'ai une reconnaissance, en fait, vous savez, comment on appelle ça ? Travailleurs handicapés. Voilà. Oui, merci. Oui, oui. Et donc en fait, ça me permet donc déjà ça m'a permis fut un temps quand même d'améliorer un peu mes revenus et puis d'être vraiment encadrée avec des personnes qui prennent le temps d'accompagner l'autre. Et ça c'est quelque chose d'important parce que l'autre jour on insistait sur un point, c'est que effectivement c'est très très juste, ils l'ont eu. Le besoin de reconnaissance quelque part aussi, mais de me faire confiance, de faire confiance à l'autre, d'être capable d'eux d'avoir besoin d'être rassuré pour pouvoir être concentré davantage dans les tâches. En tout cas, je sais que je me souviens de quand vous aviez appelé, vous étiez assez énervé après votre famille. Énervé, ouais. Vous trouviez qu'ils étaient vraiment, ils s'occupaient trop de vous. Et maintenant, avec le recul, comme vous allez mieux, comme il y a beaucoup plus de stabilité dans votre vie, vous vous apercevez qu'en fait, ils étaient soucieux pour vous. Ils avaient, ils étaient bienveillants à votre égard. Ouais, c'est ça. Ouais. Oui. Mais à ce moment-là, ça vous oppressait parce que vous étiez très mal. Mais je suis contente. Charlotte, aussi, d'avoir de bonnes nouvelles comme ça de vous. Et puis il faut pas baisser les bras, il faut pas me décourager. Non, il y a pas de raison. Et là c'est parce que j'ai quand même aussi dans des moments donnés c'est des bêtises, mais parce que j'étais pas bien effectivement. Oui. Mais il faut pas non plus que je mette. Ma famille me disait aussi des choses qui sont pas forcément négatives. Il faut pas non plus que je remette tout sur ce qui s'est passé. Par le passé pour moi, parce que je pourrais aussi prendre ça pas comme un jeu, mais comme un prétexte. Et ça, je me suis rendu compte que si je me servais trop de ça, on va se dire, bah oui, mais d'accord, mais à un moment donné, elle joue dessus, et c'est pour cacher une certaine faiblesse. Et aujourd'hui, il ne faut plus que je montre ma faiblesse, il faut que je montre ma force. Oui, mais vous vous sentirez d'autant plus forte que vous pouvez, vous avez des lieux pour parler de ce qui vous tourmente. Bon, et puis c'est vrai que vous avez, à un moment, on peut pas toujours se réfugier derrière ce que l'on a vécu, même des choses difficiles, pour ne pas construire dans sa vie présente. Mais on y arrive d'autant mieux qu'on a pu explorer, travailler et s'apaiser par rapport à ce qui a pu nous faire mal dans un passé proche ou lointain d'ailleurs. Mais il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup sauvée, c'est le fait que j'ai un demi-frère qui est plus petit que moi,
Curieusement, c'est lui qui me protège un peu, mais c'est vrai que ça m'a vraiment sauvée, quoi, quelque part. Ça c'est évident. Aujourd'hui, c'est mon bonheur, quoi. C'est vrai que franchement, grâce à ça aussi, je me retrouve un peu autrement en famille. C'est vrai que ça fait du bien. Voilà. Bon. Ben merci beaucoup Charlotte d'avoir appelé pour redonner de vos nouvelles et je suis d'autant plus contente pour vous qu'elles sont bonnes. Merci, voilà. Merci et puis alors bonne chance pour bonne la suite et bon démarrez bien là pour dans les espaces verts là en juin. D'accord, je manquerai pas de donner mes nouvelles, pas de souci. Au revoir Charlotte. Merci, au revoir, bonne soirée. Toutes vos confidences au 39-21. Bonsoir Nadia. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir à vos auditeurs et merci d'avoir pris mon appel. Merci à Paul et Jeanne. Merci, merci d'appeler. Alors donc vous faites un peu du souci parce que vous avez un petit souci avec votre voisine, je crois, en ce moment. Oui, d'en face. D'accord. Bon, c'est un peu embêtant si elle est si proche. Ouais, c'est-à-dire que ma fenêtre donne sur sa fenêtre en contrebas, elle est. Et du coup, ce qui se passe, bah, c'est que là, ce soir, c'est carrément. J'ai carrément vu une partie intime. J'ai pas regardé, hein, mais j'étais à la fenêtre et j'ai vu ça. Elle se promène nue chez elle? Non, mais encore pire, c'était l'acte avec un copain, quoi. Ah, d'accord. Attendez, parlez bien dans le. Parce que par moment, je vous perds. D'accord, elle avait une relation sexuelle avec quelqu'un. Je sais pas si c'est son compagnon, je sais pas, enfin, bon, pas attention. Vous n'avez pas fait une enquête de police, mais en tout cas, vous avez pu en profiter. Bon. Franchement, j'ai pas voulu en profiter, mais surtout ce que je redoute, c'est que mon compagnon en profite et qu'il ait envie d'aller vers cette personne qui apparemment l'allume clairement. Alors peut-être que je me tape des films, peut-être que voilà. En sachant. Ah bon, d'accord. Bah, je me demandais pourquoi votre ami voudrait aller vers elle. Il pourrait être tenté de regarder, hein, parce que bon, on est tous un peu voyeurs, hein. Bon, plus ou moins. Il y en a qui sont plus exhibitionnistes. Enfin, c'est bon, ça fait partie des pulsions les plus fréquentes, hein, le voyeurisme et l'exhibitionnisme. Donc, bah, vous avez une voisine un peu exhibitionniste, quoi, parce que en général, quand même, à moins que. Elle a été prise dans le feu de l'action, si je puis dire, et qu'elle n'a pas eu le temps de baisser les stores. Mais enfin, bon, quand même, on y pense. On se dit, si vous êtes, si c'est vraiment un vis-à-vis, même dans le feu de l'action, on peut se dire, il y a peut-être du monde aux fenêtres. Mais pourquoi? Parce qu'elle elle fait du rentre-dedans à votre amie? Moi, j'ai l'impression, puisque ça fait quelque temps que je vois ça, en fait, ça va faire à peu près 10 jours, je l'observe. Voilà, par exemple, la couette sur les épaules avec rien en dessous qui dénude l'épaule. Enfin, on reconnaît ce genre de choses qui s'endort devant la fenêtre. Je sais pas si c'était elle ou quelqu'un d'autre ce jour-là, mais habillée. Mais moi, je remarque des choses. Peut-être que je me tape des films, hein, très sincèrement. Mais ça réveille quelque chose que j'ai déjà connu. Même si je n'ai pas vu ça, le fait que mon copain craque pour une autre. Bon. Le copain de l'occurrence de l'époque, c'était un chaud lapin et on n'avait aucun rapport ensemble. C'est-à-dire que, oui, à un moment, vous étiez en couple et l'homme avec qui vous étiez est parti avec une autre, c'est ça? Il y a eu un dérapage. Sur le plan professionnel, j'avais une autre collègue qui, franchement, ne ressemblait à rien. Et elle m'avait dit, moi, si je veux un homme, je sais comment faire. Et comme il travaillait sur sa structure, je travaillais auprès d'enfants, ce qui devait arriver arriva, parce que cette personne a dit, Christophe est super, j'ai signé son prénom, j'aimerais bien être avec lui. Et puis une collègue, Nadia, est avec lui, elle a dit, mais je m'en fous, quoi, il me plaît trop. Et du coup, elle a mis tout en place pour pouvoir, et ce qui est arrivé, puisque j'ai eu confirmation après, etc. Donc ça m'a fait très très mal, c'était la première blessure qui m'a emmené voir un thérapeute. Et voilà, donc là, je suis en thérapie. Je vous remercie parce qu'il y a des années, j'étais passée à l'antenne il y a à peu près 2 ans. Et ça va mieux, mais ça, par exemple, vous voyez là, ça m'a fait trembler. C'est tout bête, hein, mais ça m'a réveillé ça. Alors, c'est déjà important que vous puissiez mettre l'accent sur le fait que ça réveille cette peur et cette peur de l'abandon et que, vous voyez, une autre femme puisse le détourner. Voilà, il y a quelque chose de plus profond, vous allez pouvoir explorer ça. Mais après tout, vous pouvez aussi... Si cette femme manifeste aussi ouvertement son désir pour votre ami, vous savez, ça peut, c'est, ça,
n'y a pas forcément la réaction que vous redoutez, hein. C'est-à-dire que votre ami va pas y aller forcément. Ça peut aussi faire peur, quelqu'un qui est aussi un peu hystérique, on dirait dans notre jargon, hein. Qui... J'ai pensé à ça aussi. Bon, il y a quelque chose. Vous voyez, ça peut. C'est pas forcément. C'est pas forcément. Séduisant, c'est votre peur à vous, et ça renvoie à quelque chose que vous avez vécu, où cette femme, elle se mettait un peu en position de toute puissance dans votre travail quand elle disait, moi je sais s'il faut comment séduire un homme, je sais. Bon, dans les faits, si c'est entre séduire et peut-être avoir une relation sexuelle avec lui, bon, si en plus vous avez un homme qui est très porté là-dessus, oui, ça peut arriver. Pour autant, est-ce que après c'est quelque chose qui peut s'inscrire dans la durée? Vous voyez, c'est encore différent. Donc vous vous mettez en compétition aussi avec une autre femme qui pourrait vous voler votre homme. Ça renvoie quand même à, comme si vous dépréciez. Mais tout à fait. Bon, moi, ça. Parce que cette voisine, elle peut être exhibe, mais sans pour autant, ça peut amuser votre ami, pour parler plus clairement. Bon, il peut être sans pour autant se dire ah bah tiens, moi aussi je vais y aller, je vais devenir son amant. Oui, je pense pas du tout en plus que ça devrait arriver, mais moi je sais ce que ça réveille une certaine rivalité avec ma petite sœur à l'époque, etc., parce que j'étais la préférée, après elle est devenue la préférée, j'étais pas trop, enfin c'était pas, enfin voilà, je avec certaines injustices en tant qu'enfant, hein, que j'arrive à comprendre au jour d'aujourd'hui en thérapie, mais que je me dis voilà, je suis pas une victime. Et vous là, n'êtes je suis pas, pardon. Une victime, je ce qui s'est passé dans ton enfance et avec Christophe à 25 ans, c'est voilà. Ça a réveillé à 25 ans ce que tu avais vécu dans l'enfance. Aujourd'hui, ça réveille ce que tu as vécu avec Christophe. Oui, mais il faut, si vous voulez, le problème, il faudrait que vous arriviez. Là, vous êtes, oui, vous, comme vous dites, vous êtes en train d'élaborer un scénario, et un scénario funeste. Bon, alors il se trouve que vous avez une voisine un peu exhibitionniste, ça peut arriver, mais vous pouvez d'ailleurs, quand vous la croisez, lui dire gentiment, mais enfin lui dire quand même que c'est bon, son intimité, vous n'avez pas, même si vous êtes voisine, vous voulez pas tout partager de son intimité. Et que ça serait bien, voyez, c'est quand même lui laisser entendre que bon, voilà, vous aimeriez, elle est chez elle, certes, chez elle, elle fait ce qu'elle veut, mais Vous n'avez pas envie d'être aux premières loges. Vous pouvez lui dire gentiment, mais lui faire remarquer quand même. Vous pouvez dire que vous avez, je sais pas, vous avez des enfants. Non. Bon, mais quand bien même. Enfin, de toute façon, vous avez le droit aussi quand vous êtes chez vous de pas participer à ces ébats. Alors le truc, c'est pas qu'elle habite en fait dans mon palier. Sur mon palier, elle habite en face, une meuble en face. Donc je ne sais pas son nom, je ne sais pas sa porte, mais je pourrais le trouver. Ouais. Mais je vais pas aller jusqu'à chez elle, sauf si vraiment ça réitère. Je me dis, tu vas toquer à sa porte parce que. Donc, non, mais alors comment vous savez qu'elle fait qu'elle essaye de séduire votre compagnon? Ah mais parce que je suis très observatrice, hein, de nature. J'ai développé ça, je pense, ce que m'a dit mon thérapeute, et du coup. Ouais. Elle m'avait expliqué que j'avais une intelligence émotionnelle. Je ne sais pas ce que c'est, je commence à comprendre un peu, mais voilà. Il y a des signes qui me trompent. Non, mais attendez, vous voulez dire qu'elle le séduit par fenêtre interposée ? J'ai l'impression, après je me tape sur mon défi. Ouais, moi je pense que vous allez très loin là. Ok. J'ai un grand imaginaire. Non, parce que ouais, là vous êtes en train de vous faire un mauvais film, hein. Ouais, carrément, ouais, c'est clair. Parce que moi, je pensais que vous étiez sur le même palier, que c'était quelqu'un que vous croisiez, que vous aviez rencontré, et qui avait de fait, par rapport à votre compagnon, en le croisant dans l'escalier, dans l'ascenseur, enfin, avait fait même des avances très directement. Là, c'est quelqu'un. Vous avez une femme qui est, bon, sans doute, qui aime bien, qui est un peu exhibitionniste. Enfin, on voit bien que maintenant, ça tourne un peu à l'obsession. C'est-à-dire que vous aussi, vous la voyez, vous ne voyez plus qu'elle. Oui, et ce que m'a expliqué mon thérapeute, il ne faut surtout pas miser vos peurs par rapport à mon compagnon ou autre. Hein. Il ne faut pas parler de mes peurs, parce que justement, ça va mettre l'accent sur cette chose qui pourrait éventuellement arriver. Vous voyez, donner de l'importance, comme vous le dites. Bien sûr, mais votre thérapeute a raison. C'est-à-dire que, bon, dans les faits, elles sont là, vos peurs, mais elles vous appartiennent en propre, et vous êtes en train de projeter sur votre compagnon
des choses qui vous appartiennent à vous. Et c'est vrai qu'il n'est jamais bon de montrer que l'on n'a pas confiance et que l'on doute et dire ben, cette femme, moi je pense qu'elle est en train de t'allumer. Et bon, parce que finalement, vous pouvez semer le verre dans le fruit, quoi. Lui ouais. qui ne pensait pas du tout, ça peut dire tiens, ah bon, bon. Alors il peut en même temps, ça peut l'amuser et rien avoir à faire de cette femme parce qu'il est bien avec vous, parce que voilà. Mais. On ne sait jamais. Oui, ça peut faire son chemin et ce que vous redoutez le provoquer finalement, parce que votre peur va faire que vous allez provoquer quelque chose, bon, ou faire en sorte que ça confirme votre croyance que forcément, oui, dès que vous êtes en compétition avec une autre femme, vous allez être perdante. Mais ça renvoie à votre histoire d'enfant, où on vous comparait peut-être avec votre sœur, à vos dépens. Méchamment, hein. C'était pas sympa. Donc, mais je suis en train de travailler ça et je me suis dit, c'est ce que je dis à Paul, à la limite, si par exemple il m'en parlait, parce que bon, bah, il me dira, t'as vu, ou je pense pas qu'il le ferait, mais bon, s'il m'en parlait, je lui dirais, bah, franchement, moi, je ferais pas ça, personne n'a aucune pudeur. Enfin, non, pas, c'était pas comme ça, excusez-moi. On vous sent, oui, un peu froissé. Mais bon, vous pouvez dire, oui, elle a un peu chaud aux fesses, quoi. Elle a pas froid aux yeux, en tout cas. Mais bon. Non, pas froid aux yeux, je trouve que ce serait valorisant. Ouais, non, vous mais. Voyez, ah, ben bah non, oh, ouais, enfin, non, mais je bon. Je vais vous dire un moment, Nadia, cette femme, elle va prendre moins d'importance, elle va rester comme, bon, la voisine d'en face, un peu loin, un peu exhibe, ou peut-être qu'il fait pas. Et voilà, point barre. Elle a pas. Là, elle fait intrusion dans votre vie parce que vous lui donnez aussi cette place-là. Puis je vais vous dire, à la limite, si elle baisse pas ses stores, ses rideaux et tout, vous en avez. Vous pouvez peut-être, au lieu de, voyez, vous laisser comme la victime fascinée, enfin face à un serpent là qui est tétanisé, vous tirez les stores et voilà. De toute façon, ce qu'on envisage, c'est qu'on a des toutes petites fenêtres, donc du coup, si je ferme les rideaux, quand des fois on a le tort encore de fumer la cigarette, des fois de temps en temps dans le salon quand on regarde la télé comme la soir, donc je peux pas fermer le rideau, sinon ça c'est pas assez aéré, vous savez, on est sous, c'est un appart où donc est sympa. Mais, non, mais attendez, vous n'allez pas vivre rideau fermé, mais enfin si, par exemple, là, quand elle était en plein débat sexuel, vous pouvez, si ça, puisque ça, je comprends, ça vous importune, vous. Non, je ne regarde pas, c'est tout. Mais je peux pas faire. Ou enfin, vous regardez pas, mais enfin, vous m'appelez pour m'en parler quand même. Hein, donc, on sent que ça vous perturbe. Ouais. J'ai ouvert la fenêtre parce que justement, on fumait la clope. Et je me dis, si je la ferme, il va se lever pour la rouvrir. Et du coup, ça va. Mais vous ne l'avez pas dit parce que lui, il ne l'avait pas vu, lui. Ah, mais je ne lui ai pas dit. Hein, je lui ai pas dit. Hein, Oui, il a bien dû voir à votre comportement qu'il y avait un truc qui. Bah, il a vu. Hein, il a vu. Non, mais quand bien même, ça peut permettre d'en rire. Et puis, qui sait, au lieu d'être là à regarder, ça peut vous titiller, vous stimuler pour en faire, vous, un jeu avec votre amant. Il est là, lui. Il n'est pas avec la voisine. Vous voyez, ouais, il s'en fiche de la voisine. Un jeu rigolo, quoi. Voilà. Mais oui, ça peut être quelque chose pour pimenter. Ouais. Dire bon, soit vous en riez, soit finalement dire ben, on pourrait. Voilà, il donne l'exemple. Vous en faites autant. Enfin, parce que cette voisine, il faut la laisser à sa place, quoi. Elle est pas, elle prend une place dingue dans votre imaginaire, mais parce ça cristallise d'autres choses. La voisine, lui, il s'en fout, quoi. Ou à la limite, s'il la croise et qu'elle est nue, bon, ça peut être. Les hommes aiment beaucoup regarder aussi, hein. Leur excitation sexuelle passe beaucoup par la vision, justement. Mais pour autant, c'est vous qui pourrez peut-être en profiter et pas la voisine, voyez. Oui. Enfin, il s'en fiche de cette femme. Ouais, je pense. C'est vous qui fixez sur elle, mais votre ami, il s'en fiche. Je vais vous expliquer ce qui me met un peu le doute, c'est que c'est une personne apparemment qui dessine des fois des fresques, etc., cette jeune personne, la femme. Et du coup, je l'ai entendu dire à un copain un jour, ça a l'air sympa ce qu'elle fait, ça doit être intéressant, vous voyez, donc de s'intéresser. Mais qui, votre amie, a dit ça? Oui, sur le dessin. Non, mais elle est super près, quoi. Si vous voyez les fresques qu'elle dessine. Mais la rue, elle est. C'est une rue piétonne, en fait. D'accord, ouais. Ça a l'air sympa ce qu'elle dessine, oui. Bon. Sauf que moi, je suis en hauteur, hein. Je suis au dernier étage. Oui, mais là, vous pouvez un peu le taquiner. Vous pouvez le taquiner un peu en disant, bon, t'es sûr que tu regardes vraiment ces fresques? Mais c'est vous doutez trop de vous pour ça. Parce que, à la limite, c'est pas parce que. En allant plus loin, Nadia, c'est pas parce que les hommes, c'est aussi ce qui les stimule. Il y a des hommes qui vont vous dire ils aiment bien s'attabler à la terrasse d'un café et puis regarder les passants et notamment les passantes. Bon, alors c'est vrai qu'en ce moment ils sont pas gâtés avec le temps qu'il fait parce que
Il y a des jupes, mais elles sont, il y a des bottes, elles sont un peu longues, où il y a encore des collants, regardez des jambes, regardez des décolletés, des bons, ça les fait fantasmer, mais sans plus que ça leur fait plaisir sur le moment, c'est pas pour ça qu'ils vont coucher avec toutes les femmes qui passent. Il faut que j'arrête Peut-être, vous voyez, c'est la femme qu'ils aiment, avec qui ils partagent leur vie, leur lit et autres, qui en profitent. Parce que ça met leur désir, ça les stimule un peu. Mais votre ami, c'est avec vous qu'il est. Ouais, il m'avait dit de toute façon, c'est pas parce que je lui avais raconté cette histoire malheureuse, mais qui est rien du tout en fait dans l'histoire à 25 ans. Mais il m'avait dit, mais tous les hommes sont pas pareils. Non, et puis je vous dis, et encore une fois, même si vous surpreniez votre ami, bon, puisqu'il a remarqué les fresques, il a peut-être pas, je vais vous mettre le doute, il a peut-être pas remarqué que les fresques, mais après tout, si cette jeune femme est un peu, aime bien se montrer nue et tout ça, bon, après tout, il va pas faire le mec outragé, oh, je veux pas voir ça, parce qu'à la limite, ça serait très hypocrite. Ça serait très hypocrite. Il vaut mieux que il en parle tranquillement. Ça montre que justement, il a pas d'idée derrière la tête. Il regarde quoi. Il regarde ce qu'on lui propose. Il se cache pas. Voyez, ça fait fantasmer. Je disais, il y a Sergio. Il envoie un SMS. Il dit, oh, dites-moi, moi j'aimerais bien boire un café et fumer plein de clopes à la fenêtre. Ça, c'est sûr que si on donnait votre adresse, je pense qu'il y aurait du monde à la fenêtre. Regardez bien, il y a toujours des gens un peu exhibitionnistes. Des femmes particulièrement sont particulièrement exhibitionnistes, aiment bien dans la Donc écoutez, je crois que comme vous dites, c'est bien déjà, vous êtes lucide. C'est ce que dit Ninon d'ailleurs, qui dit j'adore votre façon de parler très imagée quand vous parliez de cette fille qui ressemblait à rien mais qui vous a quand même soufflé votre ami de l'époque. Bon, c'est peut-être parce que comme vous dites, lui c'était un chaud lapin, mais elle dit vous êtes très très passionné mais lucide. Donc vous savez bien que c'est parce que ça renvoie à votre enfance, vous étiez comparé à votre sœur, c'était pas à votre avantage à ce moment-là et depuis vous êtes un peu en compétition avec les femmes et vous avez peur qu'elles vous volent votre homme, voyez, vous manquez de confiance en vous, mais le travail que vous faites sur vous va vous aider, Nadia. Mais c'est exactement ça. Et après, cette voisine, vous en rigolerez, ou soit elle va déménager, et ou vous déménagerez, enfin, voyez, parce que... Et puis de toute façon, on a partagé pour les chats de mettre quelque chose comme ça, déjà, quand on sera à la fenêtre, les gens, moi ça m'arrange, qui ne voit pas les gens de la rue piétonne, quoi. Voilà, oui, si vous êtes dans une rue piétonne, c'est déjà pas mal, de vous protéger un petit peu et du coup la voisine dira, elle se trouvera d'autres voisins intéressés, elle se dira bon, pas de bol, ils sont pas intéressés, ils sont pas voyeurs en face, voilà, c'est ça. C'est super. Il y a JD qui dit oh là là, mais c'est Nadia devrait échanger son logement avec un homme célibataire. Il devrait passer une annonce là, je pense que vous auriez pas de mal. Je sais pas si vous êtes locataire ou propriétaire de votre appartement. Non, pas encore. Locataire, je pense que le propriétaire, il saurait ça pour passer une annonce, il aurait pas de mal. appartement sympathique, donnant sur vue plongeante sur une jeune femme nue qui dessine des fresques nues, nue sur un âne jouant du sitar. C'est vraiment ça, quoi. Bon, je vous remercie. Et puis même quand je serai dans la rue maintenant ou dans une soirée, je vais travailler sur ça avec moi-même. Franchement, si vous aviez des amis et voyez des coups pas trop coincés, ça pourrait être amusant aussi. Bon, parlez pas de ça. Parlez du fait du gringue vis-à-vis de mes compagnons. Il faut savoir que il faut que je me dise que voilà, Nadia, tu es con. Il faut que vous vous fassiez. Oui. Et même s'il y a une personne comme toi, Nadia, s'il y a un homme qui vient, est-ce que tu vas pour autant? C'est pareil. Et puis je vais vous dire, parfois, les hommes, comme ça, entre eux, ils parlent, ils disent ils aiment bien regarder. Mais pour autant, je vous assure que quand il y a une femme qui est un peu trop rentre dedans. Ça peut faire peur. C'est-à-dire qu'au fond, on se dit, oh là là. D'ailleurs, parfois, ça leur fait même perdre leurs moyens. On le dit, on fera une émission sur la sexualité le 30 juin, là, le dimanche 30 juin. Mais parce que beaucoup de sexologues disent que ils voient arriver maintenant en consulte des hommes qui ont des problèmes avec leur désir, pas seulement avec leur érection, mais avec leur désir. Et certains disent que la demande des femmes et le fait que on n'est plus... On
on est plus éveillé au niveau de notre désir, de notre plaisir, on revendique plus. Et pour certains, ça les fait peur, quoi. Ça les fait même débander, parlons clairement, hein, parce que ils le perçoivent comme quelque chose d'un peu agressif et de la peur de pas être à la hauteur. Donc une femme qui exprime parfois très ouvertement son désir, enfin, ça peut être perçu un peu comme agressif. Ça veut pas dire que, bon, après tout, on parle d'égalité aussi, qu'on peut pas, qu'une femme a pas le droit d'exprimer son désir. Mais voyez, quand c'est aussi un peu aussi hard, contrairement à ce qu'on peut penser, les hommes ils partent en courant, mais dans le sens inverse, quoi. c'est vrai. Ça, je me le suis dit avant de vous appeler. En me documentant, j'ai compris ça aussi, effectivement, que la montre religieuse, enfin, c'est pas l'histoire de la montre religieuse, mais cette histoire d'être trop un peu prédatrice, un peu voilà. Donc, ayez confiance, Il est avec vous, cet homme, c'est vous qu'il aime et qu'il désire. Ça se passe bien avec lui. Franchement, oui. Parce qu'à l'époque où je vous avais appelé, vous m'aviez dit, si vous êtes que l'un avec l'autre, vous allez droit dans le mur. Oui. Et c'était complètement vrai, parce que j'étais trop en attente de lui, de ce qu'il pouvait m'apporter. Là, je comprends que c'est à moi d'être active dans ce que je veux. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est qu'en fait, en thérapie, je comprends que, il n'y a que moi qui pourrais me dire... Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu veux faire? Après, vivre à deux, c'est des aménagements de part et d'autre. Voilà, ça fait un an qu'on vit ensemble et ça se passe bien. Oui, donc vous voyez, ça fait un an que vous vivez ensemble. Il est attaché à vous, cet homme, il n'y a pas de raison. Oui. Après, il n'empêche que si on le stimule un peu, il peut regarder aussi. Hein, mais ça ne veut pas dire parce qu'il regarde. Vous voyez, on peut regarder le menu sans consommer, comme on dit. Il y a Néjout qui dit « J'ai la chance d'avoir un très bel homme, souvent très regardé, convoité. Et moi, j'en suis ravie parce que ça me valorise, on en joue beaucoup. » Alors, essayez un peu de vous détendre. Mais Néjout doit avoir confiance en elle. C'est vrai que elle n'a pas peur que les autres femme lui vole son mari. Bon, vous allez apprendre petit à petit. Vous êtes lucide, vous avez de l'humour, donc je suis assez confiante pour vous, Nadia. Merci beaucoup, Caroline. C'est moi qui vous remercie. Bonne soirée à vous tous. Au revoir. Merci, au revoir. Caroline. Ah, il y a Gully Girl qui dit, vous devriez demander à votre voisine de vous faire une fresque opaque à vos vitres. Oui, lui mettre un petit mot. Vous savez, il y a un livre qui est paru sur les petits mots sur les ascenseurs ou dans les cages d'escalier, les petits mots qu'on met à ses voisins. Je ne sais plus dans quelle édition c'est paru, mais c'est assez drôle. Tout ce qu'on peut trouver dans les mots qu'on laisse à son voisin, et il y a notamment par rapport aux voisins qui sont pas très discrets quant à leur vie intime, leur vie sexuelle, il y a des choses comme ça assez drôles. Demandez à votre libraire peut-être sur un livre qui est paru sur les petits mots qu'on laisse à son voisin. Est-ce que vous pensez que je pourrais me permettre si elle aurait été deux, trois fois de suite, ou si de toute façon, moi, comme vous dites, je vais même plus faire attention, quoi. Mais à la limite, vous pouvez, je crois que vous allez moins fixer là-dessus, mais si quand même vous remarquez que quand elle reçoit quelqu'un et puis que vraiment elle en fait participer toute la rue. Oui, après tout, vous pouvez mettre un petit mot dans la cage d'escalier s'il n'y a pas de code, un truc comme ça, pourquoi pas. Mais si elle exhibe, ça ne changera pas. Hein. Ça ne changera rien. Et puis le problème, c'est qu'elle va savoir peut-être que ça vient de moi. Parce que, vous ne devez pas être la seule à regarder. Dans la rue. Dans la rue. Et alors attendez, l'été, la fenêtre ouverte, tout le monde va en profiter dans la rue. Enfin bref. Non, mais ce que je veux dire, franchement, Caroline, pour le petit mot. J'ai peur de lui donner trop d'importance. Je suis d'accord avec vous. Je disais ça parce que c'était marrant, ce livre sur le fait qu'on laisse des mots à ses voisins. Mais non, elle franchement, elle est dans ce jeu, je pense. À un moment, ça va, comment dire, peut-être enflammer la boîte à délire. Oui, tout à fait. Je crois que il faut vous apaiser. Oui, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Mais c'est moi. Et je vous souhaite une bonne soirée, Caroline. Merci. Et bonne émission, et je vous écouterai dimanche. Ça va, c'est tranquille, là, du côté de votre voisine, ce soir. Ah, là, je ne regarde plus, là. alors, c'est très bien. Vous commencez à vous déconnecter. Allez, je vous embrasse, merci Nadia. Beaucoup, au revoir. À vous. Au revoir. Au revoir, Caroline. Jusqu'à 1h sur Europe 1, Caroline Dublanche. Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. Europe 1. Bonsoir Gigi. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Allô. Oui, je vous écoute. Vous êtes à l'antenne. Alors moi j'ai un petit souci. J'ai une petite fille adorable. Oui. Mais chaque fois que je vais en vacances, si vous voulez, c'est un drame quand elle repart chez elle. Elle a que 4 ans, hein. D'accord. Quand elle vient chez vous en vacances et quand elle repart, c'est un drame. C'est-à-dire elle pleure.
elle pleure. Alors quand ses parents arrivent pour la chercher, ah non, de toute façon, je reste ici, je rentre pas à la maison. C'est hors de question que je rentre à la maison. Donc, alors que... Elle se plaît chez vous, dites-moi. Oui, c'est vrai qu'elle se plaît. Elle se plaît beaucoup. Ouais. Elle se plaît beaucoup, voilà. Mm. Mais la dernière, bon, pas plus tard qu'à dernière vacances, donc je l'ai eu pendant une semaine. Oui. Enfin, nous l'avons eu avec mon mari pendant une semaine. Et quand ils sont venus la chercher, bah, c'était le vendredi. Donc, bon, très bien, à manger tout ensemble. Et au moment de partir, je l'avais bien briefé quand même, je l'avais dit, tu sais, voilà, tu repars chez papa et maman. Les vacances sont finies, lundi tu vas à l'école. Bon. Et elle montait dans la voiture, déjà elle pleurait. Déjà elle faisait que dire, c'est hors de question que je rentre à la maison. Elle en a... Et après je l'ai voir revenir. Je dis, qu'est-ce qui se passe, vous avez oublié quelque chose? Non. Et bien, elle avait vomi dans la voiture. Elle avait tellement pleuré qu'elle en avait vomi dans la voiture. Ouais. Alors certains me disent, c'est de la comédie. Non, c'est pas de la comédie. Non, 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 elle est vraiment... Elle est vraiment triste, ça la. Voilà. Alors, ce qui me met mal à l'aise, c'est que bon, ma fille, mon gendre, j'ai pas de problème, mais ma fille le prend très mal. Si vous voulez, donc, et alors. Pourquoi c'est... Qu'est-ce qu'elle prend mal, votre fille? Ben, le fait de voir sa fille, si vous voulez. Oui, qui ne veut pas repartir avec. Voilà. Elle. Voilà. Donc, et moi, je suis malheureuse, évidemment. Hein, parce que on ne fait rien. C'est pas comme si elle était gâtée pourrie chez nous, si on lui accordait tout, si on faisait ses quatre volontés. Oui, votre fille, on prend un peu ombrage, comme si ça voilà. Veut dire elle était mieux chez papy et mamie que. Voilà. Tout oui, à mais fait. Elle doit se calmer une fois qu'elle est rentrée chez elle. C'est le temps de la séparation. Après, alors quand elle rentre. Oui. Alors, comme il me dit mon gendre, le matin, à 7h, on est devant la porte de la chambre, en train de nous dire que, eh ben, c'est mieux chez papy et mamie que la salle de bain elle est plus belle. Qu'on a un salon cuisine et que de toute façon, quand j'ai le nez qui coule, eh ben, mamie vient me moucher. Oh, elle sait y faire, hein. Elle est futée, cette petite fille. Hein. Oui, 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 elle sait quand même. Elle a oublié d'être honnête. Oui. Oui, parce que quand même, elle vient, c'est une façon de dire, voilà, ce que il faut que vous m'accordiez encore plus d'attention, je veux être l'objet de toutes vos attentions, chez papy et mamie. Mais bon, ses parents peuvent... Ce qui est dommage, c'est que votre fille s'en offusque, parce que comme si ça la renvoyait qu'elle s'occupait peut-être... sa fille était moins heureuse avec elle, alors que c'est pas de ça dont il s'agit. Parce qu'il faudrait dédramatiser les choses en disant à cette petite fille que, ben oui, mais les papys et les mamies, ils ont tout le temps pour s'occuper des petits-enfants, parce qu'en plus, ils viennent, c'est que le temps des vacances, et que les papas et mamans, ils sont un peu plus occupés. Voilà, ma fille ne travaille pas, elle a la chance de pouvoir élever notre petite fille. Donc, c'est une enfant qui est entourée d'amour, parce que ça, c'est bien vrai. Mais alors, chaque fois, et alors j'y vais tous les mercredis aussi, c'est pareil. Tu t'en vas pas. Mais si, tu sais très bien que je vais rentrer. Elle est très attachée à vous. Voilà. Ouais. C'est ce que. Bon, ma maman me dit aussi, elle me dit, tu sais, ça me rappelle toi, en parlant de moi, avec ma grand-mère paternelle qui vivait avec nous. Et c'était pareil, j'étais tout le temps avec elle parce qu'elle m'a mené promener partout. Et puis, quand je me réveillais la nuit, je sortais de la chambre et j'allais dormir dans son lit. Je me glissais dans son lit. Et ma petite fille, quand je dors chez ma fille, c'est ce qu'elle fait le matin, elle arrive, elle bouge pas, hein. Elle se met dans le lit avec moi, elle bouge pas. Et ça, ma fille, elle me dit, nous, avec nous, elle ne fait pas comme ça. Elle sort dans le lit, elle ne reste pas oui, calme. Oui, elle se fait discrète, elle se fait petite souris qui rentre. Ah oui, et puis elle me dit froidement, on parle doucement parce qu'il ne faut pas que papa... Oui, oui, mais elle est très maligne, elle est très, très futée, elle sait très bien, un peu manipuler son monde, hein, d'ailleurs. Hein, déjà, les enfants peuvent... Ils sont petit côté manipulateur. Quand elle va dire à ses parents, ben, la maison, elle est mieux, j'ai papier mamie. Ah oui, dès que j'ai le nez qui coule, elle vient me moucher. Bon, hein, c'est un petit peu, elle fait sa liste de reproches, là. Bon. Ah oui, non, mais... Je alors, si elle sent en plus qu'elle marque des points, elle va en jouer d'autant plus. Ah non, elle ne marque pas de points, parce que moi, je ne la manque pas. De toute façon, quand elle est chez nous... Comment c'est... Parce que avec votre fille, sinon, comment vous entendez-vous? Avec votre fille. Bien. Bien. C'est juste rapport à ce point-là qu'elle est un peu peinée. Elle est un peu peinée de voir que sa petite fille n'est pas contente de la retrouver. Voilà. Oui. C'est pas qu'elle n'est pas contente de la retrouver, c'est qu'elle a du mal à se séparer de vous.
Je sais pas, parce que j'ai vu. Merci. Par rapport aux séparations, elle a du mal de façon générale avec les séparations, cette petite fille, quand elle. Ah non, pas du tout. Parce pas du tout. D'accord. De toute petite, hein, quand on l'avait, elle venait souvent en vacances, enfin souvent. Quand ma fille avait besoin de partir en week-end pour des raisons professionnelles comme ça, donc elle me l'a mis toute petite, je l'ai vue de toute façon, hein. Mais pas pour des séjours, pas pendant un mois ni rien du tout, c'était deux ou trois jours. Oui, votre fille vous fait totalement confiance, ah oui, elle vous la confie même vraiment. Même dans l'éducation, et mon gendre ouais. C'est pareil aussi. Hein. Non. C'est bien. Ouais, bah, vous avez bon rapport. Il me dit. Est-ce que vous avez du mal vous à la voir partir? Non. Vraiment? Ah non. Ça me fait drôle après quand elle est plus là, mais ouais. Non. Est-ce que dans votre vie, vous avez d'autres moteurs, d'autres centres d'intérêt que cette petite fille, enfin ah oui, des choses qui vous, qui vous, tout à fait. Ah oui, tout à fait, oui. Qui vous mettent en joie, qui bon, parce que parfois les enfants aussi ont du mal parce qu'ils sentent que l'adulte est lui-même est assez chagriné. Ah non, pas du tout. Non, parce que quand je la ramène ou quand j'y vais le mercredi. Oui, parce que vous avez la chance de la voir souvent. Voilà, je la vois souvent. Bon. Voilà, bon. Donc. Alors, ce que j'arrive, c'est ça, je me dis, je culpabilise un peu, dans le sens, je me dis, mais je fais rien pour l'attirer, hein. Parce que c'est curieux que vous me disiez ça. Pourquoi vous culpabilisez de ça? C'est parce que. Je culpabilise un peu quand je vois. Dans quel état est-ce, mais? Non, quand, oui, ça aussi. Bon. Et puis ma fille, bon voilà, j'ai de la peine. Mais pourquoi? Parce que ça veut pas dire cette petite fille, elle aime sa maman, mais c'est que elle a du mal à se séparer de vous parce qu'elle est bien avec vous aussi, vous êtes un peu comme une seconde maman là, vous vous occupez d'elle depuis qu'elle est toute petite. Il y a d'autres enfants? Non, elle est fille unique. Elle est fille unique, d'accord. Oui. Bon. Donc, mais après, c'est comme. Mais parce que vous êtes, même si sa maman ne travaille pas, il y a quand même d'autres choses à faire. Elle va à l'école. Quand elle est avec vous, c'est vraiment tout tourne autour d'elle, j'imagine. Enfin, tout dans le, mais dans comme quand on des grands-parents qui ont leurs petits enfants, c'est sur un temps court et du coup on fait en sorte que tout le temps leur soit consacré, le temps libre. Oui, c'est hein, sûr. Pour on que s'occupe d'elle, oui. Ben voilà, donc vous êtes elle. Au parc, ben oui, c'est la petite princesse. Plus que même si sa maman ne travaille pas, elle a au quotidien votre fille. Oui. Elle a un quotidien et dans ce quotidien, elle a sa petite fille qui tient beaucoup de place évidemment, mais il y a aussi toute la bonne marche du foyer. Elle peut avoir des activités à côté. Votre petite fille va à l'école. Vous voyez, c'est un temps différent. C'est ça qu'il faudrait dire aussi à votre petite fille, que de toute façon elle revient. Vous savez bien, elle s'inquiète pas pour vous. Vous n'êtes pas malade. Il y a pas de sujet. Elle n'a pas entendu des choses où cette séparation peut lui faire peur. Elle a que 4 ans. Mais oui, mais à 4 ans, justement, on parle parfois au-dessus de leur petite tête sans se rendre compte qu'ils comprennent plus de choses qu'ils n'en ont l'air. Oui, donc, non, mais parce que comme si elle se met dans des états pas possibles, comme si elle craignait de ne pas vous revoir. Alors que dans les faits, vous voyez souvent en plus. C'est ce que je lui dis. Je lui dis, je te revois mercredi. On se revoit mercredi. J'ai mamie, elle revient te voir mercredi. Voilà, mais c'est tous les mercredis. Tous les mercredis, oui. Bon. Donc voilà, c'est un petit. En plus, c'est un temps qui revient. Vous pouvez lui dire tant de dodo, c'est plus concret. Hein, il y a tant de dodo avant qu'on se revoie. Voilà, parce que encore les jours de la semaine, c'est compliqué à cet âge-là. Bon. Mais elle a compris le mercredi. Bon. Elle sait que le mercredi, elle n'a pas école. Bon, écoutez, elle va bien par ailleurs, votre petite fille. Ah oui. Bon. Elle n'a pas d'angoisse. Quand sa maman la dépose à l'école, elle ne pleure pas particulièrement. Pas du tout. Bon. Non. Bon, alors écoutez, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Je ne m'inquiète pas. Quand elle s'en va, et vous lui dites, allez, on se revoit. Il ne s'agit même pas trop de rentrer et chercher à la rassurer, ça peut encore plus la faire pleurer. Dire, comme si, tant de dodo et je reviens mercredi. J'ai vu la semaine dernière, j'ai dormi chez ma fille. Et donc. Évidemment, il faut que j'aille la coucher, bien sûr. Donc, je vais la coucher. Je dis, non, avant d'aller au lit, tu fais pipi. Et on se lave les mains, la figure, les dents et tout. Alors, elle me dit non. Pardon? Je dis, si. Je dis, mais quand tu viens chez papa et mamie, tu te laves les dents. On fait ça tous les soirs. Alors, elle me dit, oui, mais ta salle de bain, elle est plus belle.
Je dis non, mais je lui dis vraiment, j'y stoppe là. Et elle s'est lavé les dents, les mêmes. Oui, mais c'est ça. Il faut à un moment, vous savez, les enfants, parce qu'ils sont, mais bien sûr, mais elle est très futée. Ils savent très bien. Ils nous manipulent beaucoup à l'affection et à l'amour. Vous voyez, bon, bon, c'est un peu embêtant de se laver les dents, nanana, de se laver les mains, si on peut passer à côté. Alors elle a trouvé le prétexte que bah oui, voilà. La salle de bain elle est plus belle chez papy et mamie. Mais parce que aussi chez papy et mamie, ça fait partie d'un jeu. Il y a un jeu. Alors que parfois, j'imagine que chez ses parents, c'est bon, ça fait partie de après l'école, après là, là il y a, ça fait partie d'habitude, voyez. Alors, tout ce qui est jeu chez les grands-parents, c'est un peu des habitudes chez les parents, donc c'est moins drôle. Et elle a très bien compris, et voilà. Mais il ne faut pas trop vous laisser faire, hein, par cette petite fille qui sait très bien séduire. Justement, c'est ce que je dis souvent. On lui passe rien, hein, si vous voulez. C'est qu'il y a une certaine discipline et elle ne bouge. En fait, quand je lui dis on va prendre le bain, il n'y a pas de souci. Comme il me dit, mon gendre, il me dit j'hallucine. Nous, il faut qu'on lui court après. Mais heureusement qu'elle est différente avec ses parents et avec vous, parce que on n'a pas la même relation avec ses grands-parents qu'avec ses parents. Les parents, ils sont chargés d'éduquer, donc ce qui veut dire qu'il y a plus de contraintes, ils mettent des interdits. Écoutez. Très honnêtement, Gigi, quand on sent l'amour avec lequel vous nous parlez de votre petite fille, vous êtes pas, ce sont ses parents qui l'éduquent, c'est pas vous. Vous êtes quand même plus dans le plaisir et dans des moments de bien-être avec elle. Ça ne veut pas dire qu'évidemment, vous ne faites pas attention à certaines choses quand vous l'avez avec vous et que vous ne lui laissez pas tout passer. Je n'ai pas dit ça. Mais vous n'avez pas la responsabilité. Ce n'est pas la même chose. Vous n'êtes pas la même avec votre petite fille que vous l'étiez avec votre fille quand elle avait le même âge. C'est ce que je dis à ma fille. Alors je lui dis, peut-être que elle a 4 ans, dans 3 ans, je lui dis, elle n'aura plus venir peut-être chez papy et mamie. Je lui dis, elle aura ses copines. Ou adolescente, il y a une période où elle pleurera plus quand elle partira. Ça ne veut pas dire qu'elle gardera pas ce lien que vous êtes en train de construire et qui est une merveilleuse complicité. Ça reste, mais il y a des périodes, effectivement, quand elle aura 15 ou 16 ans, elle aura peut-être 17 ans, 18 ans, elle aura peut-être plus envie de partir avec ses copines petit ami chez papy et mamie. Mais pour autant, elle vous conservera certainement une affection très profonde et très sincère, parce que c'est en train de se construire, là. Mais même dans 3 ans, quand elle aura 6, 7 ans, quand elle sera... On aime assez longtemps aller chez les grands-parents, vous savez. Après, c'est les copines, elles vont dormir chez les copines. Mais ça ne remplace pas quand même, c'est autre chose. C'est autre chose qui vient s'ajouter, mais ça ne remplace pas. Vous voyez, j'ai un petit message là, par SMS qui dit « J'ai 30 ans et j'étais comme cette petite fille. Ma grand-mère était mon plus grand réconfort. Voilà. » Elle me manque énormément. Elle reste aujourd'hui mon modèle. Continuez à lui donner tout votre amour. C'est si précieux. Et c'est vrai que c'est merveilleux. Maintenant, je crois qu'il faut pas... C'est une petite fille qui sait très bien. Je vous dis, elle sait très bien sur quelle corde appuyer. Elle a oublié d'être bête. Ça, donc, rassurez-la. Ou laissez-lui peut-être quelque chose, un peu de vous, un petit foulard avec votre odeur, quelque chose comme ça, si ça peut le temps du voyage la rassurer. Eh bien, non, parce que, justement, alors c'est bien carré. Parce que bon, elle aime la lecture, elle aime lire, donc je lui offre pas mal de livres. Oui. Et alors les livres, quand elle vient, c'est les livres que je lui ai offerts qu'elle amène. C'est elle sait que c'est un présent que vous lui avez fait, ces moments de complicité, et elle sait très bien, elle veut... Bon, c'est merveilleux ce que vous vivez avec elle. Le CD de Maïa l'abeille. Oui. Et je voulais lui laisser, parce que je vais en boucle dans ma voiture quand je la promène, et je voulais lui laisser. J'ai dit, tu le ramènes à la... Non, il reste chez papy et mamie. Oui, mais c'est ça. Mais les enfants font très bien la part des choses entre la différence entre ce qui a été offert, ce qui se passe chez papy et mamie. Elle a très bien compris, et c'est ce qu'il faut lui dire. Oui, c'est vrai, c'est différent chez papy et mamie, parce que chez papy et mamie, c'est comme si tu étais tout le temps en vacances, il n'y a pas d'école, donc voilà. Mais papa et maman, eux... Ben non, les papas et les mamans, ils sont là aussi pour... alors c'est vrai que du haut de ces 4 ans, elles trouvent que parfois ils font un peu trop les commandeurs, parce qu'ils donnent des ordres et tout. Ben oui, c'est moins rigolo. Elle le dit d'ailleurs. Ben bien sûr. Alors qu'avec les papis et les mamies, on peut plus faire un peu ce qu'on veut et les mener par le bout du nez. Mais c'est fait pour ça. Oui, non, ils nous mènent, elle ne nous mène pas par le bout du nez. Oui, mais bon. C'est quand même un rythme de vacances et tout, c'est ce qu'il faut comprendre. Donc moi je crois qu'il n'y a pas lieu de vous inquiéter en tout cas.
Moi, voilà. Je trouve ça formidable, cette relation que vous avez. Et elle vous en gardera une profonde affection. Ah oui, non, mais ça, c'est que ma maman, elle me dit toujours, elle me dit, elle est fusionnelle avec toi. Oui. Parce qu'elle l'a eu une fois où elle est rentrée, et puis j'avais appelé ma maman, et ma petite fille était chez son arrière-grand-mère, donc. Et c'était un retour de vacances aussi, et ma mère, elle me disait, mais elle était malheureuse. Mais comme vous avez eu aussi cette chance d'avoir un lien comme ça avec une grand-mère. Ce lien que vous avez vécu enfant, aujourd'hui, vous pouvez, à votre tour, c'est merveilleux cette transmission dans les générations. Aujourd'hui, vous êtes grand-mère, vous pouvez aussi dorloter votre petite fille comme vous étiez dorloté vous-même enfant. C'est merveilleux. Et c'est ce qu'il faut dire à votre fille. Votre fille fera certainement aussi, elle est une jeune maman formidable, mais une merveilleuse grand-mère. Vous voyez, je reçois un petit message pour conclure qui dit, petite, je faisais des crises le dimanche soir lorsque je devais quitter mes grands-parents et rentrer chez mes parents, au point de m'accrocher à la portière de la voiture. C'était pas contre mes parents, simplement j'étais leur petite chérie. C'est tout, voilà, elle est bien, elle est dorlotée, elle est choyée, et continuez à la choyer comme ça. Et je vous dis, à pas trop dramatiser les choses, dire bon voilà, bah oui elle pleure, mais bon, après ça passe quand elle est rentrée chez elle. Elle fait sa petite liste de récrimination à ses parents, puis après elle reprend le cours de sa vie. Il n'y a rien qui va maintenant. Elle est futée. Et puis Roxane dit aussi, c'est une façon peut-être aussi par moment de dire à sa maman, tu m'as laissé, je reste chez mamie. Elle en joue un peu, c'est pour avoir un peu l'attention aussi de ses parents. Elle est très maligne, franchement il n'y a pas lieu de dramatiser. D'accord. Quand les parents s'en vont, elle leur demande de vous partez quand. Elle est pressée. En fait, elle est pressée de les voir partir. On ne sait pas pourquoi. C'est très bien. Il faut dire aussi à ses parents que elle n'est pas angoissée, cette petite fille. Elle n'a pas d'angoisse de séparation. Elle est suffisamment sécurisée, tranquillisée. Donc, c'est plutôt très bien. Ça veut dire que c'est une petite fille qui arrive à se séparer parce qu'elle n'est pas dans un attachement anxieux à ses parents. Donc, au contraire, valorisez votre fille en disant c'est très bien. Elle est très sécure, cet enfant. C'est une très bonne chose. Mon gendre me le dit. C'est la maman, elle a l'impression. Mais au contraire, valorisez-la en disant qu'elle est très sécure et que c'est très bien. Merci en tout cas de votre appel. Merci à vous. Au revoir Gigi. Au revoir. Continue sur Europe 1 avec vos appels au 39-21, toutes vos réactions par SMS au 7-39-21, en commençant votre message par le mot « nuit ». Gully Girl disait « Ah ouais, j'aurais bien écouté le CD de Maya Laberge ». Ben oui, ça rappelle notre enfance avec Willy, avec son copain Willy. Mais désolé, j'ai demandé à Fifi, il a pas ça. Il a pas ça en rayon. Et puis Anna m'envoie un petit mail pour revenir sur le témoignage de Gigi et de sa petite fille. Elle dit « J'ai eu ma fille à 20 ans tout juste. Ma maman m'a beaucoup aidée à l'époque. Ma fille a 21 ans aujourd'hui. Ma fille pleurait aussi lorsque ma mère l'a ramenée à la maison. C'était très dur pour moi. Pendant longtemps, j'ai pensé qu'elle me volait un peu ma fille. Mais lorsque ma sœur a eu son fils à 36 ans et que notre mère s'en est occupée de la même manière et qu'il pleurait aussi en rentrant de chez ma sœur, j'ai compris que cela n'avait rien à voir avec moi, mais que nos enfants ont parfois une période comme celle-ci. » Allez, on va accueillir maintenant Mario. Bonsoir. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir Mario. Merci de me recevoir. Mais je vous en prie. Voilà, donc je voulais vous contacter. Oui. Parce que j'ai rencontré une personne il y a 3 mois et demi. Donc une personne qui a eu qui est venue s'installer sur la région sur laquelle j'habite il y a 2 ans. Donc qui est arrivée ici, qui a rencontré certaines personnes, donc avec qui elle a eu des relations amicales au début. Donc c'est une personne qui est physiquement très jolie, qui est ouverte, qui a un relationnel remarquable. Mais c'est une personne qui s'est faite, manipulée moralement et qui a été également abusée à d'autres niveaux.
Et donc moi, je suis rentré, j'ai connu cette personne, donc ça, c'est ce qu'elle a vécu, c'était avant moi. Mais adulte, alors, quand vous dites qu'elle a été abusée, c'est adulte. Voilà, oui, tout d'accord. à fait adulte, mmh. donc elle a 37 ans. D'accord. Donc moi, je l'ai connue, donc les faits, c'était bien avant notre rencontre. Oui. Donc je suis tombé amoureux de cette personne dès le premier soir. Il est vrai que de mon côté, j'ai voulu peut-être mettre notre relation en avant trop vite. Donc chose peut-être qui lui a fait peur et aujourd'hui, donc j'en suis convaincu parce que nous en avons parlé déjà maintes fois. Et moi, dès le départ, quand j'ai su ce qui s'était passé, j'ai eu un manque de confiance en elle. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que justement, que s'est-il passé ? Est-ce que vous pouvez dire, enfin, en quelques mots, brièvement, qu'elle parle, vous dites qu'elle s'est confiée à vous en disant qu'elle avait été manipulée, mais par qui, par comment, enfin. Alors, donc, elle a été la maîtresse d'une personne pendant un an et demi. Oui. Cette personne qui a un potentiel psychologique très important s'est servie d'elle pour l'endroit où cette personne travaille. Il a abusé d'elle, et en fin de compte, il s'est amusé avec elle pendant un an et demi. Elle, c'est une personne qu'elle appréciait beaucoup, à qui elle avait confiance. Et cette personne a commencé de temps en temps à la faire boire et à lui faire des choses auxquelles peut-être, si elle était pas dans ces états-là, aurait refusé tout simplement. Mais quoi, c'est-à-dire c'est dans leur sexualité quand elle s'alcoolisait, mais voilà, ouais. Tout à fait, oui. Donc ils l'ont fait boire et ils lui ont fait faire certaines choses. Donc ça s'est passé à deux reprises. Donc ça, c'était bien avant notre rencontre. Donc elle est honnête. Je vois pas pourquoi elle vous raconte. Bah, je sais pas, c'est de l'honnêteté. Je vois pas pourquoi elle vous raconte ça. Enfin, vous connaissez depuis trois mois, oui. Surtout qu'on ne sait pas vraiment ce qui était en jeu dans cette relation, parce que l'alcool a beau jeu, je trouve, dans ces, vous voyez, le côté j'avais bu donc je savais plus ce que je faisais. Enfin, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais enfin, c'est quand même le côté je suis manipulée par un homme, il me fait boire et du coup là, je réponds plus de mes actes. Vous voyez, c'est une façon aussi de soi de pas se remettre en question, de même si ça traduit une fragilité, mais elle a quand même à un moment, elle a été partie prenante aussi dans cette histoire. D'accord. Enfin, bon. Donc moi, du moment du fait où elle m'a dit ça, donc j'ai quand même accepté. C'est des personnes que moi, enfin, je connais deux des personnes concernées. Et les personnes concernées, quand ils ont vu que j'étais avec elle et que on se fréquentait, ils ont commencé à dénigrer sur moi. Même d'autres personnes, ils ont commencé à dire que j'allais l'amener au fond du gouffre, qu'elle n'était pas faite pour moi, de dire des choses mal sur moi. Oui. Ils ont commencé à foutre un peu la zizanie dans notre relation. Chose qu'ils ont bien faite, puisque à deux reprises, nous nous sommes séparés à cause de ces personnes. Et pourquoi vous êtes séparés ? Parce que vous n'acceptiez pas qu'ils intervenaient, c'est-à-dire que ça vous est revenu aux oreilles, que ce qu'ils disaient ? Oui, tout à fait. C'était elle qui vous en parlait, ou c'était qui ? Oui, tout à fait, elle m'en a parlé. Et puis moi, comme je suis déjà de natif jaloux, même dans la possession, quand j'ai vu ça, c'est vrai que j'étais pas à quelque part rassuré. Et quand on se prenait la tête, à deux reprises, elle est retournée voir ces personnes. Donc elle est au téléphone et ils ont dit viens nous voir, on va discuter tout ça, on va aller faire un resto. Donc elle est retournée voir les personnes qui auraient abusé d'elle. C'est paradoxal quand même. Voilà. Donc vous voyez que c'est pas si clair que ça quand même. Hein. Donc il ne s'est rien passé. Donc, mais on s'est quand même séparés deux fois. C'est vrai qu'à quelque part, peut-être mon caractère lui a fait peur aussi. Le fait que quelqu'un s'intéresse à elle, peut-être que ça lui a fait peur également, puisque elle-même l'a dit, on en a parlé. J'étais aussi dans l'excès aussi par rapport à ça, parce que du jour au lendemain, j'ai voulu la retirer de cet établissement et des personnes qu'elle fréquentait qui tournaient autour d'elle uniquement pour sa plastique, on va dire, parce que il n'y a pas d'autre mot. Hein. C'était pas pour les sentiments. Et donc à quelque part, je pense avoir quand même réussi parce que elle avait quitté son appartement, elle avait donné son préavis, puis elle est venue habiter avec moi. Et dernièrement, donc nous nous sommes disputés aussi. Et justement un soir, on était à la maison, il y a cette personne qui a téléphoné. Et étant donné qu'il ne la voyait plus,
Voilà, elle a dit que je lui mettais la pression, donc j'ai eu cette personne au téléphone, et il m'a dit, écoute, laisse un peu venir, elle vient boire un verre, elle va s'étendre, voilà. Donc, à un moment donné, elle voulait plus sortir, j'ai dit, écoute, faut qu'on se prenne la tête, t'as envie d'y aller, ils ont envie de te voir, tu vas les voir, tu reviens après, y a pas de souci. Et en fin de compte, elle m'a dit, écoute, t'inquiète pas, je rentre pas tard. Et en fin de compte, elle a eu peur de revenir à la maison, donc elle était avec ces personnes, ils ont été au restaurant, ils l'ont fait boire, et elle s'est retrouvée avec une troisième personne qu'elle ne connaissait pas du tout, et ils ont pris une chambre d'hôtel, ils l'ont laissée avec cette personne, elle ne se souvient plus de ce qui s'est passé, elle se souvient vaguement de quelques souvenirs, c'est-à-dire le taxi, la chambre d'hôtel, la personne dans la chambre d'hôtel, et le matin qu'elle se réveille, et que donc la personne lui donne les sous pour prendre le taxi pour rentrer à mon domicile à 10h20. Donc, c'est énorme quand même. Hein. C'est énorme. Donc moi, à l'heure actuelle, non, mais c'est, elle se présente dans ce qu'elle vous dit d'elle. Elle est toujours victime, victime des hommes qui la font boire et qui après abuseraient d'elle. Enfin, où elle est elle dans tout ça? Mais elle a quand même, elle a sa part de libre arbitre dans l'histoire. Elle avait peur de rentrer chez vous. Pourquoi elle a peur de rentrer chez vous? Après, ces hommes la font boire. Elle vous a quand même confié que déjà, parce que son ami la faisait boire, il se serait passé des choses avec des hommes. Là, rebelote. Enfin, c'est toujours elle qui est victime et victime des hommes. Alors, je sais pas ce qu'elle raconte, mais en tout cas, moi, ce que j'entends, c'est que vous qui êtes jaloux, mais pour le coup, vous êtes tombé avec une femme qui n'arrête pas de vous mettre en compétition avec d'autres hommes. Donc, ça ne va pas améliorer votre jalousie. Parce qu'elle vous met en compétition avec ces hommes en parlant comme ça. C'est elle qui vous raconte aussi tout ça. C'est elle qui vous raconte que maintenant que vous êtes ensemble, ces autres hommes, enfin, qui auraient abusé d'elle, donc qu'est-ce qu'elle peut... Soit de deux choses l'une, soit à un moment, qu'est-ce qu'elle attend pour porter plainte aussi. Enfin, voyez, rien n'est clair. Elle a l'air très... Pardonnez-moi, mais très perturbée cette femme dans son comportement. Ben je sais pas du tout. Enfin, moi, elle a l'air très très perturbée. Alors soit de choses l'une, elle vous dit que c'est parce que elle est sous l'empire de l'alcool et qu'elle sait plus ce qu'elle fait, alors qu'en fait elle sait très bien ce qu'elle fait et que ça fait partie de sa sexualité, de sa façon de vivre la sexualité, où elle a besoin d'avoir des relations sexuelles assez nombreuses avec plusieurs hommes. Et elle assume pas. Soit effectivement c'est quelqu'un qui a une extrême fragilité, qui est même, j'irais, très perturbé psychologiquement, et qui répète quelque chose pour le coup d'abus, parce qu'elle semble dire que elle se retrouve dans des situations où elle est objet et seulement objet, donc où elle répète quelque chose d'une histoire passée, de traumatisme vécu dans son enfance ou je ne sais quoi. Mais c'est pas ça qu'elle vous dit. C'est elle vous dit qu'il y a des hommes. À un moment, elle était avec un homme qui l'a manipulé, qui l'a enlevé. En boire l'aurait amenée vers d'autres hommes, mais là, alors qu'elle est avec vous, elle se prend la tête avec vous sur le fait que ces autres hommes parleraient d'elle, et puis en même temps, elle y retourne, elle les retrouve dans une chambre d'hôtel. Enfin, elle va au devant de la gueule, elle va se jeter dans la gueule du loup, cette femme, et après, elle s'en plaint. Vous voyez, il y a un truc qui colle pas là. Ouais. Tout à fait, donc ce soir-là... Qui manipule qui? C'est ça, c'est ce que pose Angie. Qui manipule qui? Êtes-vous sûr que ce ne soit pas vous qui soyez manipulé dans cette histoire? Parce qu'elle a l'air... Elle peut être aussi très manipulatrice, cette femme. Moi, je ne pense pas, parce que j'ai sentiments pour elle. Vous ne pensez pas parce que vous avez des sentiments, mais justement, vos sentiments peuvent faire que vous ne vous rendez plus très bien compte de la situation. Mais est-ce que mon caractère, justement, par rapport à ça, justement, je lui dis que j'ai eu excessif avec elle, parce que c'est vrai que j'ai pas mené la vie facile aussi, de la retirer, d'être constamment derrière elle, à regarder dans son portable, à chaque fois que le téléphone sonnait, parce qu'il y avait beaucoup de personnes, enfin, beaucoup, il y avait quelques personnes qui lui couraient derrière au début, quand on était ensemble, et qui téléphonaient à 2h du matin, 3h. Oui, mais enfin, vous voyez bien, c'est pas un hasard non plus, si vous êtes très jaloux, et vous vous éprenez d'une femme qui... Et dans une très grande séduction avec les hommes, et je trouve qu'avec vous, elle continue en vous mettant en compétition. En gros, il y a des rivaux partout. Et en même temps, elle, c'est la pauvre victime, soi-disant. Elle se fait avoir, mais qui tire les épingles du jeu là-dedans? Parce que, je dis pas que c'est une bonne chose de l'espionner et tout ça, mais vous allez interroger vous aussi sur vous-même, Mario. Vous êtes très jaloux et vous allez vers une femme qui... joue quand même pas mal aussi avec le désir des hommes, semble-t-il.
C'est pas un hasard qu'on l'appelle sans... Enfin, vous voyez, il y a tout un jeu. Elle s'en plaint, elle dit qu'elle est manipulée, qu'elle s'est fait abuser, mais en même temps, elle recherche leur compagnie. C'est quand même paradoxal. Ouais. Ben là, ça fait quand même un mois et demi qu'il y a beaucoup de personnes qui ne téléphonent plus parce que j'ai mis les holà et puis je lui ai imposé de répondre à ces personnes en lui disant que maintenant elle était en couple et qu'il fallait que ça cesse. Donc non mais c'est pas, vous voyez Mario, c'est là où ça va pas. C'est de toute façon vous n'arriverez, vous allez pas la changer cette femme. Elle travaille dans un certain environnement où le fait de son apparence physique entre en ligne de compte. Elle est très sollicitée, très courtisée. Elle en joue beaucoup. Et vous, vous voudriez en faire une femme, une épouse modèle là qui bouge pas d'une oreille. Apparemment, c'est pas ce genre de femme que vous avez rencontrée. D'accord. Donc interrogez-vous aussi sur vous, qu'est-ce que vous faites dans une histoire comme celle-là, avec une femme qui a plein d'hommes qui gravitent autour et qui apparemment sait très bien jouer avec eux. Ben, y compris avec vous. Le problème. Ouais, enfin l'amour. Non, non, mais Mario, c'est pas. L'amour, c'est justement, vous jetez pas votre dévolu sur n'importe quelle femme. Sur une femme qui, que d'autres mâles envient, vous convoitent. Ça a un sens, ça aussi. Vous-même, vous vous mettez en compétition avec d'autres hommes. Alors, vous voudriez après en faire une sainte que vous enfermez à la maison, elle est en couple et tout. Non, c'est pas ce type de femme que vous avez rencontrée. Et, ben oui, et c'est aussi ce qui vous plaît et qui vous excite. Donc, à un moment, vous n'allez pas la changer. Et je vous dis, quand vous parlez de manipulation, on peut se demander qui manipule qui. Parce que je peux me tromper, mais je sens quelqu'un fond assez manipulateur chez cette femme. D'accord. Parce que moi, justement, on est en train de dire que c'est moi, justement, qui ai manipulé, qui ai été dans l'excès, que j'étais en fin de compte, un fou, jaloux, maladif, j'ai été inscrit dans son portable. Même hier, on s'est pris la tête sur les réseaux sociaux parce que je lui ai dit, écoute, moi, j'ai affiché qu'on était en couple, donc affiche-le. Elle m'a dit non, par rapport à mon patron, je veux pas. Et même quand on se balade en ville, je veux dire, des fois, c'est bien. Non, mais vous voyez bien, Mario, que vous avez besoin d'être rassuré à tout prix. Ça vous rassurer qu'elle affiche en couple. Elle veut pas. Bon, vous avez rencontré quelqu'un qui, elle est parfaite pour alimenter votre jalousie. Elle est parfaite. C'est vraiment celle qu'il vous fallait pour que vous soyez fou de jalousie. Alors, que vous ayez une jalousie excessive, que vous l'espionnez, tout ça, c'est pas ça qui va faire qu'elle va pas bouger d'une oreille et rester à la maison, de toute façon, vous la changerez pas. C'est au contraire, évidemment. Mais enfin, quand elle vous dit, non, je peux pas, il y a mon patron, je peux pas dire, parce que je vois aussi sur votre fiche que quand même, elle veut pas que vous apparaissiez à ses côtés, enfin, que vous soyez en couple. Pourquoi? Enfin, qu'est-ce qu'elle a à cacher? Bon, donc, dans les faits, à mon avis, elle a plusieurs relations et autres, et elle vous fait croire qu'elle est manipulée par ses hommes et qu'elle est abusée, et qu'elle, la pauvre fille, on l'a fait boire, et que quand elle a bu, elle sait plus ce qu'elle a fait. Bon, soit, ça peut arriver une fois. Mais enfin, on n'y retourne pas, quoi, dans ces cas-là. Bien sûr. Vous voyez, c'est un peu... C'est le quand on n'assume pas ses désirs, ses fantasmes, on peut dire, oulala, j'avais bu et je savais plus ce que je faisais. Oui, parce que l'alcool, ça désinhibe. Donc, dans ces cas-là, ben, on peut aller au-delà de ses désirs. Mais enfin, on les assume. Enfin, c'est un peu facile de dire j'avais bu, je savais plus ce que je faisais, quoi. Surtout quand ça se répète. Elle boit beaucoup. Faut qu'elle arrête de boire, quoi. Les deux fois, c'est auparavant, c'est avant qu'on se connaisse. Donc, ça, à la limite, je veux dire, ça ne me regarde pas, bien que je sois au courant maintenant. Donc, c'est vrai que ça fait quand même quelque chose. Mais donc la dernière fois qu'on s'est disputé, donc qui s'est passé, ben ça à l'hôtel, je le garde quand même sur le cœur, ça fait mal. Et maintenant savoir si elle a été. Oui, mais vous voyez qu'elle vous. Mais si elle a été, écoutez, si elle a été abusée dans un hôtel par des hommes à qui elle a donné rendez-vous, elle les rencontre dans une chambre d'hôtel, ils la font boire. Enfin, soit elle, pardonnez-moi, ou alors elle est totalement décérébrée. Enfin, qu'est-ce qu'elle va aller faire à ce moment-là dans une chambre d'hôtel avec des hommes avec qui elle a rendez-vous, elle boit, puis après elle dit qu'elle a été abusée. Bon, écoutez, c'est peut-être malheureusement un mauvais scénario qui s'est passé, mais dans ces cas-là, pourquoi elle ne porte pas plainte? Quand bien même, enfin vous voyez, il y a plein d'incohérences et moi j'ai l'impression qu'elle vous raconte des histoires grosses comme des maisons et que vous y croyez. En tout cas, franchement, ça fait 3 mois. Vous vous rendez compte en 3 mois déjà tout ce qui s'est passé ? Et en 3 mois, vous voudriez faire de cette femme qui
qui plaît, qui a une corde d'homme autour d'elle. Alors c'est évidemment, vous, ça serait très valorisant de dire maintenant elle est à moi et elle va être fidèle. Mais c'est pas ce type de femme que vous avez rencontrée. Elle est pas, visiblement, elle a besoin d'avoir plein d'hommes qui la convoitent autour d'elle. Bon, donc n'attendez pas qu'elle change, Mario. C'est vous qui êtes en train de vous fourvoyer dans cette histoire. Voilà. Mais non, bon. J'ai quand même, là, le dernier mois, elle était quand même différente. C'est-à-dire, c'est son boulot, elle rentrait à la maison, elle a éliminé beaucoup de personnes. Mais c'est vrai que même par rapport à avant-hier, enfin, vendredi dernier, nous sommes baladés. Et il y a un endroit qu'elle évite parce qu'elle a peur de croiser son patron qui est en train de manger. Elle veut pas qu'il nous voit. Mais pourquoi elle a tant peur de son patron? Elle travaille avec lui, elle a peur de lui? Ben, non, c'est qui? Non, qu'est-ce qu'elle fait? Elle travaille dans quoi? Bon, on va dire, pas pour dire son boulot, mais en gros, milieu médical. Donc, elle a pas avec moi devant son patron. Ah bon? Mais pourquoi? Parce qu'elle couche avec son patron aussi? Enfin, pourquoi? Son patron a un droit de regard sur sa vie privée. Pourquoi elle veut pas s'afficher avec vous devant son patron? C'est ce que je lui dis, parce que son amie, elle a beaucoup de gens sur Facebook et elle m'a dit, mais mon patron, il est. Elle a quel âge, cette femme? Elle a 37 ans, vous m'avez dit. Mais écoutez, franchement, rien que ça, Mario. Elle veut pas dire à son patron qu'elle est avec vous, mais enfin, sa vie privée ne regarde pas son patron, à moins qu'elle ait aussi une liaison avec son patron. Non, pas du tout, non. Bon, bah alors pourquoi? Mais vous voyez bien que c'est incohérent. Franchement, Mario, vous êtes embarqué dans une drôle d'histoire, mais ça a l'air par certains côtés vous plaire parce que cette femme, elle vous échappe et dans un certain sens, ça vous plaît aussi. Vous la changerez pas, hein. C'est une femme qui semble-t-il elle a l'air assez manipulatrice et bon, mais voilà, c'est ma vision des choses. Hein. Je pense qu'elle se présente comme une victime alors qu'elle n'est pas du tout. Et rien n'est clair, rien n'est clair en tout cas. En tout cas, moi maintenant, je me remets en cause en me disant, est-ce que c'est moi qui l'ai fait partir avec mon caractère, en gueulant, en interdisant, même pour son non, boulot, mais parce dire, que vous voulez, vous l'avez rencontrée, c'est une femme qui aime plaire, et vous voulez la changer, vous voudriez qu'après elle ne voit plus que vous, et qu'elle soit hyper fidèle. Et je pense qu'elle n'est pas comme ça, donc vous ne la changerez pas. Donc il se trouve qu'en plus, comme ça vous angoissez, vous avez voulu la contrôler, et bon, mais de toute façon, vous n'avez pas à vous en vouloir de qu'elle soit partie, parce que dans les faits, vous auriez passé votre temps à l'espionner. C'est une femme qui, dans ce que vous décrivez d'elle, elle a besoin d'avoir plein d'hommes autour d'elle. Voilà, donc ne lui demandez pas d'être fidèle. Parfait. Je crois, donc c'est comme ça, elle vous rend fou là, hein, pour parler un peu vite. Elle vous rend fou. Donc bon, à un moment... Tous les deux avec ces histoires, oui. Oui, mais bon, ces histoires... Justement, c'est un peu des histoires à dormir debout qu'elle vous raconte. Ouvrez les yeux, d'accord? D'accord, parfait. Merci Mario, bon courage. Merci au revoir. À vous. Au revoir. Et on accueille Clotilde, bonsoir. Bonsoir Clotilde. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Je vous écoute. Moi, je voulais vous dire que... J'ai un fils et qui travaillait avec sa copine. Oui. Et subitement, comme ça, ils ont tout décidé entre eux. Ils avaient l'appartement, le travail et tout. Et ils sont partis, ils ont tout abandonné pour partir 3 mois en vacances. Ah oui, d'accord. Ils ont tout abandonné, c'est-à-dire leur travail et leur logement. Leur logement, ils ont tout remis et tout. Ils ont tout vendu, les meubles, tout. Ah oui, ils avaient ce projet-là depuis longtemps. Ils en parlaient de... Je crois pas que c'est depuis longtemps. Je crois que c'est depuis un mois, hein, parce que ils m'ont prévenu que 2 semaines avant qu'ils allaient partir. Ah oui. Oui. Peut-être. Oui, auparavant, vous ne les entendiez pas parler de projets comme ça. Non, pas du tout. Parfois, on dit une année sabbatique, mais là, bon, ils se sont fixés à 3 mois. Non, c'est-à-dire ils vont aller 3 mois quelque part, ils vont revenir pour un mariage, et après, ils vont repartir encore pour un an. D'accord, oui, c'est un peu le principe de l'année sabbatique, ou qui s'accorde un peu pour voyager, faire autre chose. Ils sont jeunes? Oui, ils n'ont que 25 ans. Ah oui, d'accord, ouais. Alors moi, je pensais, c'est problème de couple, je ne sais pas. Pas forcément, au contraire, peut-être que s'il y avait un pro... Ils sont partis tous les deux?
Oui, tous les deux. Oui. Non, parce qu'on peut penser, s'il y avait un problème de couple, la perspective de se retrouver en tête à tête comme ça déjà pendant 3 mois et puis après pendant 1 an, ça serait difficile. Vous avez la radio allumée, Clotilde ? Non, j'ai rien allumé. Parce que j'entends en retour ma voix. Il y a un haut-parleur ou quelque chose ? Non, il n'y a rien. Bon, c'est très curieux. J'entendais en retour. Non. Mais oui, j'entends ma voix en retour. Ah, c'est bizarre. Mais alors, bon, ça vous inquiète, vous ? Oui, moi, ça m'inquiète beaucoup. C'était pour mon fils. Hein. Oui. Parce que je voyais depuis quelque temps que la fille, elle avait changé. Vous la trouviez différente, elle ? Oui, vis-à-vis de lui ? Vis-à-vis de lui ? Vis-à-vis de lui, qu'elle allait au travail, elle rentrait tard, elle disait qu'il y avait beaucoup de travail, et que lui, je ne sais pas s'il l'a remarqué, tout ça. Oui, mais vous ne pensez pas que quand même un couple qui ne s'entend pas bien, ça paraît curieux qu'ils partent ensemble comme ça et qu'ils soient ensemble pour le coup 24 heures sur 24, puisque là, il n'y a plus le travail, il n'y a plus, c'est vraiment de longues vacances. Oui, donc, mais a priori, c'est plutôt peut-être que ça va mieux, ou il y a peut-être eu des tensions et puis ça va mieux. Ils avaient un travail fixe, c'était le premier job suite à des études. Non, il y avait un travail très fixe, elle aussi. Ouais. Donc ça vous inquiète quoi, c'est le fait qu'ils aient tout laissé, envoyé un peu promener pour justement se promener et explorer le monde. Ça me travaillait beaucoup et même la maman de la fille. Hein. Elle m'avait appelé, elle a demandé qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'il y a un problème de couple ? Moi, je dis, je ne sais pas. Pas forcément. Pas forcément. Vous savez, c'est toujours compliqué hein, de savoir ce qui se passe dans un couple. Mais moi, je pense que s'il y avait un problème de couple, souvent, vous savez, on met de la distance, justement. Ou justement, on travaille de plus en plus tard, comme ce qui vous inquiétait par rapport à cette jeune femme. On fait en sorte d'être le plus absent possible de son couple. On se réfugie dans le travail. Là, il décide. Alors peut-être parce qu'à un moment, il trouvait qu'il se voyait moins ou qu'il y avait des tensions et qu'ils ont dit consacrons-nous à nous deux. Oui. Et comme on dit, les voyages forment la jeunesse. Hein. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un petit peu plus peur parce que le contexte économique est ce qu'il est et c'est vrai que les parents. Et les jeunes gens aussi sont angoissés par rapport à leur avenir, donc on ose moins comme ça partir et voyager. Ça se faisait beaucoup plus avant. Mais pourquoi pas ? Quelques explorateurs, qui ont envie de comme ça d'aller de l'avant et de se donner cette possibilité. Et pourquoi pas ? Ils partent où ? Ils sont partis au Vietnam avec un sac à dos les deux. Hein. Ah oui, des routards. En aventure comme ça. Oui, d'accord. Ils y étaient allés déjà ou ça a un jamais, sens jamais. Jamais, d'accord. Bon. D'abord, une année, ils sont partis en Inde, à New Delhi, pour 6 mois. Et après, ils sont revenus, ils sont restés ici pour 1 an. Et ils changent comme ça tous les 2 ans. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe à la tête, ils sont trop jeunes, je ne sais pas. Ils ne sont pas stables pour moi. Oui, mais ils sont à un âge où, vous voyez, cet âge-là, ce n'est pas non plus très préoccupant. Enfin, pas stable au regard de vous. Oui, ça vous rassurait, je comprends, en tant que mère, qu'ils soient plus engagés sur une route avec un travail stable, avec peut-être un projet, après de vie de couple ou d'enfant. Mais bon, ils ont 25 ans, ils ont fait des études tous les deux, ils ont une formation qui peut-être dans un métier où ils ne craignent pas trop l'avenir, après tout. Oui, parce que lui, il est cuisinier. D'accord. Il avait un bon travail. Oui. Un bon travail de cuisine. D'accord. C'est la gastronomie française. Et oui. Oui. Et elle a le master, elle louait des appartements. D'accord. Oui. Écoutez, votre fils, il a un métier en or, hein. Oui, c'est ça. Il retrouvera. Et en plus, ce qui est formidable, c'est que même en voyageant, si à un moment il manque un peu d'argent ou quoi, il peut justement, il peut trouver dans les restaurants et faire goûter à la gastronomie française. Mais il retrouvera, c'est-à-dire quand il rentrera, on en cherche et surtout de ce niveau-là. Oui, ça, il n'aura pas de chômage. Hein. Non, il n'aura pas. Donc, vous voyez, c'est rassurant. C'est-à-dire que il n'a pas un métier où il y a un chômage très important. Donc, ça peut s'expliquer qu'il a peut-être commencé aussi. C'est dur aussi, il a dû commencer assez tôt. Je ne sais pas, il a été apprenti.
Oui, il était apprenti parce qu'il a eu son diplôme de l'école Ferrandi. D'accord. Et après, il était apprenti, il a travaillé dans des grands, comment, dans des grands patrons, des grands chefs. Oui. Et là aussi, en dernier moment aussi, hein. C'est pas bien de laisser comme ça un bon travail. Mais vous savez, en même temps, peut-être qu'il a, il a 25 ans, mais il a déjà travaillé dur. Il savait, et peut-être qu'il a envie de se dire avant de se lancer à nouveau vraiment, et puis de s'installer et de se poser, et de trouver de la stabilité à la fois dans leur vie personnelle et peut-être de vous faire des petits-enfants, de dire bon, allez, on va un peu explorer le monde, se faire plaisir, voyager avant de se poser. Vous pensez pas? C'est ce qu'il a dit. Il a dit, Voilà. je prends la, je pas, j'aurai pas le temps après quand Et j'aurai des oui, mais enfants. c'est vrai, il a raison. C'est vrai qu'après, c'est plus compliqué quand on est embarqué dans les vies professionnelles, quand il y a les enfants. C'est plus compliqué avec des enfants petits, bon, les amener en voyage et puis après, ils sont scolarisés. Donc, c'est plus difficile. Donc là, ils sont libres, ils sont amoureux, ils n'ont pas d'enfants. Bon, lui, il a un job en or entre les mains. Oui. Elle, dans l'immobilier, on trouve aussi. Bon, je comprends qu'ils aient envie. Oui, je pense. Vous inquiétez pas trop. Il va bien, votre fils. Lui, il vous paraît aller bien. Il n'est pas Oui. déprimé. Il n'est pas. Non, c'est la fille qui n'était pas bien à un certain moment avec moi. Ah, d'accord, avec vous. Bon, Oui. si elle est bien avec votre fils, ça va. Hein? Non, C'est parce que moi, l'important. j'ai rien fait. C'est ça Oui. m'inquiétait aussi beaucoup. Oui, J'ai oui, rien fait. oui. Non, bah écoutez, non, dites-leur. Et puis maintenant, peut-être que à ce moment-là, vous pourrez. Vous avez Internet, vous avez peut-être pour pouvoir par Skype vous donner des nouvelles, si ça peut vous rassurer, non? Si, si, m'a même appelé pour la fête des mères et tout, hein. Oui, bon, parce que bon, vous inquiétez pas trop, je crois. Ils vont rentrer justement après avoir fait ce périple, rencontrer d'autres gens, voyager. Il n'est pas dans un pays en plus. Ils sont pas dans un pays qui est dangereux. Vous voyez, le Vietnam, c'est tranquille. Ils n'ont pas choisi une destination dangereuse. Oui, mais aller avec un sac à dos. Ben oui, ben c'est le vrai, c'est oui, ils sont audacieux, ils sont courageux, c'est le côté routard quoi. Mais quand on a cet âge-là, c'est sûr que oui, je comprends, vous verriez pas partir comme ça et moi non plus. Bon, c'est dommage, on s'embourgeoise en vieillissant. C'est bien qu'ils le fassent à cet âge-là, je trouve. C'est pas mal, Oui, hein? C'est c'est vrai. bien, Ben oui. oui, ils auront le temps de s'embourgeoiser, franchement. Oui, mais moi, ça m'inquiétait beaucoup, Oui, hein. mais je comprends. Mais en tant que parent, on se dit, oh là là, les voir partir comme ça, c'est loin, c'est bon. Mais je vous dis, ils n'ont pas choisi une destinée. C'est pas un pays dangereux. Il y a pas de. Donc voilà. Et puis ils sont à deux, ils sont en couple. C'est pas comme si, enfin, ils partaient tout seuls. Non, c'est un petit temps qui s'accorde comme ça. Et puis ça se trouve, 3 mois, ça leur suffira. Ils n'auront pas envie de repartir. Vous verrez bien. D'accord. Il y a OK. quelqu'un qui m'envoie un joli message qui dit « Si tu en rêves, ose, ose, l'audace porte en elle le génie. » C'est vrai, moi je trouve ça assez rafraîchissant. Et je comprends, hein, en tant que maman, un peu vos craintes et venir, oh, bon, vous préfériez, c'est plus rassurant de les voir ça, mais ils sont jeunes, quoi, qu'ils en profitent. Il y a tellement, justement, dans le contexte actuel, moi je trouve ça formidable qu'il y ait des jeunes encore qui osent comme ça. Et puis votre fils, il a un métier en or, quoi. Il est chef, il est cuisinier, non, il fait la gastronomie française. Il retrouvera du travail, vraiment. C'est une D'accord. expérience. C'est une expérience. Vous voyez? Et je pense que c'est pas mal. Oui, mais c'est ce que c'était bête, c'était ne pas me nous dire, rien nous dire, hein. Peut-être qu'ils craignaient un peu votre réaction, vous pensez pas? Peut-être, oui. Hein, peut-être qu'ils ont un petit peu peur que vous cherchiez à les dissuader, s'ils en parlaient avant. De toute façon, qu'ils disent maintenant ou tard ou avant, Oui. ça revient au même, je saurai un Peut-être jour. pas parce que oui, bien sûr, ils n'allaient pas partir en catimini, mais peut-être qu'ils craignaient que vous leur disiez oh non, c'est pas raisonnable et tout, donc ils se sont évités ça. Oh, Tout c'est pas moi simplement. quand Allez, ils c'est vont pas parce revenir avec plein de souvenirs. que Ils vous en feront profiter. D'accord? D'accord. Merci en tout cas de votre appel. Au revoir Clotilde. Au Au revoir, revoir. Caroline. Pour joindre Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes la minute.
Bonsoir Michel. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Enfin, depuis le temps que je voulais vous appeler. C'est vrai? Je m'excuse, je vais essayer de bien articuler parce que je n'ai pas encore mes prothèses dentaires, on m'a enlevé toutes les dents. Alors oh, je suis pauvre. Un peu gênée de parler à l'antenne. Bah écoutez, on vous comprend très bien, hein, mais c'est vous aviez oui, un... vous avez eu un gros problème comme ça pour un... Ah oui, ben il y a longtemps que je devais le faire et puis bon. Donc c'est une bonne chose de fait. Voilà. Hmm. Et voilà, alors moi, mon gros problème, c'est la solitude et surtout le fait que je ne vois pas mon fils. J'ai un fils de 44 ans qui habite à 20 km de chez moi. Oui. Et depuis la fin de l'été dernier, je n'ai aucune nouvelle. Ah je bon? Laisse des messages sans arrêt sur son portable, ça ne répond pas. Je tombe sur la messagerie et c'est tout. Oui, il vous dit même pas que c'est bon, peut-être qu'il est occupé en ce moment, mais enfin, il est fâché avec vous, il s'est fâché. Écoutez, je vais vous expliquer. Oui. Il y a deux ou trois ans, même plus, il vivait avec une copine qui avait déjà une petite fille. Oui. Donc il la considère comme sa fille. Et ils ont bien été ensemble longtemps. Maintenant, cette, j'allais dire, comme toujours, la petite, elle va sur ses 17 ans, 18 ans. Moi, je ne l'ai pas vu depuis l'âge de 4 ans, donc ça fait à peu près 14 ans que je n'ai pas vu mon fils. Et tant que je faisais des cadeaux, vous voyez, pour Noël, des petits trucs pour la petite, des puzzles, des jeux, enfin, des chocolats pour sa copine, et lui, une cravate, parce que c'est compliqué pour lui. Et oui, oui. Et bien, il venait les chercher. Puis il y a une année, je me suis dit, cette année à Noël, je ne vais rien faire, je vais voir. Oui. Il ne sera plus venu. Je n'ai plus de nouvelles. Et c'est un garçon que, si j'avais commencé par le début, vous comprendriez mieux. Oui. Je l'ai eu en étant, comme on disait à l'époque, mère célibataire. Oui, parce ça devait pas être facile, oui, à cette époque-là. Son père était très jeune. Moi, j'avais 22 ans et demi, son père avait 16 ans. Il m'avait dit qu'il en avait 19. Il n'avait même pas de travail. Oui. Et donc, bon, très bien. Mais ça a été vraiment un accident, parce que si la loi sur l'IVG avait existé à l'époque... Non, pas que je regrette de l'avoir eu. Vous lui avez pas dit ça? Je ne sais pas comment maman lui a expliqué, parce que voilà, j'y viens. Ah. Alors, ce qui s'est passé, c'est que, bon, grossesse très difficile, j'ai vomi tous les 9 mois, bon, très bien, accouchement très difficile. Et puis, comme j'aurais dû avoir un frère qui aurait eu 5 ans de moins que moi, et maman l'a perdu en soulevant une grosse lessiveuse de linge à l'époque. Elle a fait une hémorragie et ça a été terminé. Mmh. Elle rêvait d'avoir un garçon. Et quand je suis sortie de la maternité avec mon fils, elle se l'est complètement accaparée. Ah oui. Elle ne m'a jamais laissé lui changer un linge, ni lui donner un biberon, ni le promener tout seul dans son landau, rien. Ah oui, à ce point-là. Ah, à ce point-là. Oui, c'était comme vous étiez jeune en plus, c'était vraiment, elle a pris votre rôle, quoi, de mère. C'était écoutez, ça, compenser. Elle réparait ce petit garçon qu'elle avait perdu. Voilà, quoi. Elle me faisait regarder la télévision sans son au début. Ah oui, d'accord. Je lui ai dit, mais écoute, quel programme dort. Et elle a compris seulement le jour du baptême, parce qu'on a fait un baptême où on était assez nombreux. Il était dans son couffin, il dormait, mais alors je lui ai dit, tu as vu comme il dort? Et pourtant, on parle, on chante, on rit. Là, elle a compris. Mais elle ne me l'a jamais Oui, elle y tenait, c'était la prunelle de ses yeux. Voilà, enfin, c'était vraiment oui, son trésor, quoi. Et puis, mais alors, bon. Après, il y a eu mon père qui est parti pour aller avec une autre femme, parce que de toute façon, mes parents ne se sont jamais entendus. Hein. Moi, j'ai toujours entendu crier, et même si ça s'était passé autrement quand j'ai eu mon fils avec son papa, toute jeune, j'ai dit, moi, si c'est ça le mariage, je ne me marierai pas. Parce que mon père avait tendance à boire, il frappait maman. Je me souviens que j'étais toute petite, j'ai pris une chaise pour essayer de les séparer. Alors. Ouais. Et voilà, alors, c'est passé comme ça. Et puis je ne regrette pas de ne pas m'être mariée. Donc, seulement. Oui, votre fils était très attaché à sa grand-mère, certainement. Oh là là. Et, oui. Et à son grand-père. Et, oui. Et à son grand-père. Parce que moi, quand j'ai vu que j'étais enceinte, on en avait une peur, maman et moi, de le dire à mon père. Et finalement, il n'a rien dit. Il a dit, elle fera comme les autres, elle l'élèvera. Et puis après, il l'a pourri, gâté. Oui. Moi aussi, j'étais gâtée parce que j'étais fille unique. Je suis fille unique. Oui. Mais je n'ai jamais été comme lui. Et ce qu'il y a maintenant, c'est que mon fils, il donne beaucoup d'argent. Comme il sait que je n'en ai pas à lui donner. Que j'ai une toute petite retraite parce que je n'ai pas suffisamment travaillé. D'ailleurs, je suis en dépression depuis des années. Hein. Et je vais vous rappeler quelque chose. Je vous avais déjà appelé. Vous allez vous souvenir de moi.
J'avais à ce moment-là un garçon qui était SDF et qui, c'était le hasard, avait le même âge que mon fils, que j'avais chez moi. J'avais pris chez moi. Et vous m'aviez dit que d'aller faire une psychothérapie, évidemment, et que je vous avais répondu, il faut prendre deux bus pour y aller. Et je pleurais, j'étais en larmes. Vous m'avez pris hors antenne à la fin de l'émission. Et ce garçon, vous aviez raison, parce que vous m'avez dit, faites attention quand même à votre argent. Alors il est resté, il est partait, revenait, mais il partait chaque fois avec ma carte bleue. Moi, je faisais une entière confiance, parce qu'il avait toujours été honnête et tout. Et puis là, il est parti un beau jour, il m'a quand même retiré 60 euros sur mon compte. Alors, dans l'histoire, je m'estime quand même heureuse, parce qu'il aurait pu me vider le compte. Bien sûr, oui, oui, tout à fait, oui, oui. Bon, oui, enfin, bref, oui, c'est pas oui, pour il y a eu plus de peur que de mal, hier. Mais enfin, oui. C'est pas du tout pour ça que je vous appelle non, aujourd'hui. C'est le problème de solitude. Bon, mon fils, c'est toujours moi qui l'appelais sur son portable. Oui. Et là, je vous dis rien. Je n'ai pas Internet, je n'ai pas d'ordinateur. Et vous dites, depuis cet été, vous vous êtes vu, il y a eu une occasion, non. Il m'a dit, une fois au téléphone, je reviendrai vers toi comme cette histoire sera réglée. Quelle histoire? Une histoire de liquidation judiciaire de son magasin. Ah oui, il a des gros problèmes, non. Il avait un magasin. Il a des gros problèmes, d'accord, oui, bon, ça je ne sais pas. Cette jeune femme, d'accord. Excusez-moi, il avait un magasin de petites voitures miniatures de collection. Ah oui, d'accord. Et puis, le magasin a coulé. Quand on a parlé vraiment de la crise, il doit y avoir plus de 3 ans déjà. Son magasin a coulé, il est en liquidation judiciaire. Alors, il s'est retrouvé sans rien, sans travail, sans rien. Il n'a jamais voulu me dire comment il faisait pour manger. Parce qu'une fois, je lui ai parlé. Et là, il n'a pas demandé, vous ne l'avez pas un peu aidé, même si à ce moment-là, parce que vous vous posez des questions, même comment il a pu... Il ne voudrait pas venir chez moi, il ne voudrait pas. Parce que comme j'ai perdu ma maman, j'avais un grand appartement... où j'ai pu rester encore quelques temps, puisqu'elle avait laissé un petit peu d'argent de côté, était très économe. Et là, c'était avant d'être avec cette jeune femme, il était avec une autre qui s'était mariée, enfin bref, il a divorcé. Oui, le lien filial, il avait plus avec vos parents qu'avec vous, parce que comme vous dites, finalement, c'est votre mère, elle se l'est complètement accaparée, et vous étiez plus en position presque de grande sœur que de mère. Voilà, j'allais vous le dire. Maman m'a dit un jour, mais tu sais pas que David, il croyait que tu étais sa sœur. Elle lui a dit, mais ce n'est pas ta sœur, c'est ta maman. Ben oui, mais ça laisse des traces profondes, ça. Oh là là, forcément, parce qu'elle se l'est accaparée, comme bon, elle voulait un garçon. Eh oui. Elle avait perdu ce bébé. Voilà. Et donc, bon, voilà, elle l'a élevé comme si c'était son fils et vous étiez relégué au rang de sœur. Que... Alors, comme vous étiez seule et le père, bon, ne pouvait pas être là parce qu'il était trop jeune. Bon. Donc, ça a compliqué votre relation. Il n'y a pas un moment où vous vous êtes rapprochée Un petit exemple. Mon fils avait 3 ans. Et je ne sais plus ce qui s'est passé parce que c'est loin. Maintenant, j'en ai oui, bien sûr. Oui, oui. Lui, 44. Ouais. Et il m'a donné une gifle. Mais une gifle méchamment, hein. Et je me souviens toujours, toute ma vie. Et alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai redonné une. Oui. Il est parti en courant chez son grand-père à la cuisine en lui disant « Pépère, maman m'a tapé ». Mon père est arrivé. J'avais 26 ans. Il n'avait jamais touché de sa vie parce que j'étais une enfant sage. Il m'a fichu une basse que ma mère lui a dit « Mais t'es pas malade ?» Alors moi, à ce moment-là, j'ai dit, bon, bah, écoutez, vous voulez jouer comme ça, Eh bien oui, mais c'est ça, vous étiez, la fille de vos parents, vous étiez face à un couple parental, et votre fils, il a grandi, le couple parental qu'il avait, c'était également vos parents. Et on voit bien là, alors que vous aviez bien réagi, enfin, je veux dire, bon, ce petit garçon, il vient vous gifler, bon, vous répondez, mais finalement, devant l'enfant qui va se plaindre à son grand-père-père, il revient et vous faites réprimande. Donc, voilà. Vous n'aviez aucune autorité sur lui. Je n'ai pas pu. Non, l'affection, la tendresse, l'autorité, enfin tout ce qui fait les parents, c'était vos parents. Ça a compliqué votre lien, forcément. Bien sûr. Ça explique. Mais pour autant, si vous voulez, il faut pas tomber dans le côté donner de l'argent. Vous voyez, c'est pas du donnant-donnant. Ça va pas, ça. C'est-à-dire qu'il peut pas venir vers vous uniquement pour de l'argent. Non, mais je vais vous dire autre chose. Après, bon, hein, mon père est parti, je ne sais plus en quelle année. Hein, il nous a laissé, il restait donc maman, mon fils et moi.
Nous avions une villa dans un village à côté de la ville où j'habite maintenant. Et mon père étant parti, alors lui, quand il a commencé à grandir, parce qu'il a toujours été très costaud, il faisait plus que son âge. Oui. Et habite à 13 ans, il chaussait du 43 pour sa communion. Ah oui, en effet, oui. Oui. Eh bien, c'était l'homme de la maison, il commandait. Qu'un jour, il a voulu me frapper. Il s'est enfermé dans les WC. J'en avais peur, hein, parce que moi, je suis petite. Et vraiment un caractère violent. Hein. Il n'y a que quand il a été à l'armée que ça l'a un peu assagi. Il l'a reconnu, ça. Et puis bon. Oui, puis là, bon, il traverse une période difficile parce que s'il a été en liquidation judiciaire, sa compagne l'a quitté. Bon, il va peut-être pas très bien. C'est lui qui l'a quitté parce que jour, je m'excuse, je vous coupe encore ma parole. Mais un jour que j'ai téléphoné, je suis tombée juste là. Il me dit, oh là là, alors là, tu tombes pas bien hein, parce que je viens de partir avec fracas avec Claudine. Enfin bref. Et je sais pas, il logeait dans une maison qu'on lui prêtait, il m'a dit. Et moi, ça m'inquiétait, parce que je me disais, mais comment il fait pour manger et ça. Il n'est pas venu vous demander votre aide. Il a voulu s'en sortir seul. Alors, mais vous pourriez, je sais pas quel message vous lui laissez, parce qu'il s'agit pas, s'il répond pas à vos messages, malheureusement, vous voyez, ça sert à rien de lui en laisser plein. J'avais envie de lui écrire. Oui. En marquant lettre sud, parce que s'il est toujours là. Oui. C'est parce ça, savoir. Pas, je sais qu'il n'aime pas écrire, mais ça fait rien s'il ne me répond pas. Mais lui écrire, c'est ça, sans force. Pas repartir dans toute cette histoire hein, que vous évoquez. Non. Mais parler de maintenant et dire que vous vous faites du souci quand même. Vous aimeriez bien, vous pensez sait, à lui. Oui, mais c'est mieux peut-être en lui disant. Et puis, vous voyez, il ne s'agit pas forcément... Je ne sais pas ce que vous comptiez lui mettre par écrit d'ailleurs. Comment vous envisagiez J'en sais rien. Oui. Parce que je lui ai dit plusieurs fois que je me faisais du souci pour lui. Il m'a répondu, ne te tracasse pas pour moi, tracasse-toi pour toi. Occupe-toi de tes problèmes de santé, mais moi, je me débrouille. Voilà. Bon, bah, dans un sens, vous voyez, ça veut dire que il est quand même, il sait que vous aviez des problèmes de santé. Alors, vous pouvez le rassurer là-dessus, dire que déjà lui dire que bah, vous vous êtes occupé, vous avez suivi ses conseils, que vous vous êtes occupé de vous, mais que néanmoins, bah, ça vous ferait plaisir d'avoir de ses nouvelles, parce que vous vous inquiétez, vous aimeriez pouvoir le voir quand même, avoir de ses nouvelles de temps à autre. Voilà, sans être dans le reproche, mais lui dire quand même que bah, c'est dommage d'être à 20 kilomètres et de jamais se voir. Vous voyez, vous pouvez le dire quand même, dire que il vous manque. Maintenant, il faudrait pouvoir dire peut-être qu'il n'ait pas le sentiment que vous attendiez que sur lui pour sortir de votre isolement. Ça serait important. Et alors, le problème, c'est que vous êtes dans un endroit aussi où vous êtes très isolé, puis si vous parlez de bus, vous n'avez pas le permis. Et non. Pas de moyen de transport, c'est ça. Parce que c'est ça, vous êtes, et vous pouvez pas, vous êtes dans une maison, oui, parce que il faudrait que vous soyez dans un endroit où il y a un peu plus d'animation et où vous puissiez un peu sortir, rencontrer des gens, quoi. Voilà. Parce que je ne sors plus, je ne vais plus en ville ni rien, parce que j'ai parlé avec, j'habite dans une grande résidence, là où je suis très bien. D'accord. Bon, vous connaissez des gens, vous avez des. Oui. Vous savez, soit ce sont des mamies qui ont déjà leurs amis. Oui, oui. Ou alors des couples qui travaillent. Et quand ils rentrent du travail, bien sûr. C'est très difficile de faire des amis. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi, j'ai c'est pas vrai, eu parce qu'à un certain âge, oui, c'est difficile. Et est-ce que dans la commune où vous êtes, il y a quand même. C'est un lieu dit, c'est une commune, il y a une mairie. Non, mais je peux vous le dire, de toute façon, c'est à Perpignan. Ah bah bien sûr, je connais bien Perpignan, oui. Ben oui. Bon, bah alors Perpignan, c'est quand même une ville où il se passe des choses. Mais oui, mais là, il y a bien, je sais pas, mais 3, 4, si c'est pas plus, 5 ans que je suis pas allée en ville. Parce que je marche avec une canne. Oui, mais parce que vous êtes dans Perpignan même? Oui. Oui, oui, pas loin du centre-ville, mais il faut prendre le bus. Ben ouais, mais ça vaudrait le coup quand même, parce que c'est sûr que si vous ne sortez pas de chez vous, c'est compliqué. Ben, je vais vous dire une chose. Oui. Viens. Je ne vais pas monopoliser trop longtemps l'antenne. Mais de toute façon, il nous reste même un peu une minute, hein, pas plus, parce qu'il va être une heure. Je ne vois pas mon horloge là. Je moi, je l'ai en face de moi, c'est pour ça. Eh bien, écoutez, là, je marche avec une canne, et puis alors, dans la résidence, il y a plusieurs mamies qui m'ont dit ah ben, vous savez, quand on va en ville, on se fait arracher les chaînes, les colliers, etc. Oui, mais ça, malheureusement, c'est vrai qu'il vaut mieux éviter. Oui, voilà. Ah ben non, ça, c'est vrai que malheureusement, il y a un trafic au niveau de l'or terrible, et il ne faut pas mettre de colliers, de chaînes et de tout ça. Bon, ben vous pouvez
y aller un peu pour vous promener, voir peut-être aussi ce qu'organise la mairie, parce que ou téléphoner déjà à la mairie avant de, parce que vous pouvez faire déjà des choses par téléphone, qui vous envoie une petite brochure, voir qu'est-ce qui se fait un peu, qu'est-ce que vous aimeriez faire comme oui, peut-être qu'est-ce qu'ils proposent comme activité pour les gens de votre âge. Moi, voyez, je sais ce qui me plaît, je sais, qu'est-ce parce qui vous plaît. Hospitalisé déjà hein, pour bon. Dépression en, d'accord. En clinique psychiatrique. Oui. Le dessin et la peinture. Bah alors, c'est justement formidable que vous ayez, vous aimiez ça. Oui. Qui m'avait dit, va voir au Palais des Congrès, il doit y avoir quelque chose. Oui. Bah alors ça, c'est une très bonne idée parce que, vous voyez, si vous aimez peindre, dessiner, vous pourriez, il y a forcément des cours qui sont dispensés, proposés, et où vous pourriez rencontrer des gens et vous faire des amis, non seulement vous exprimer, vous faire plaisir, si vous avez ce talent-là, vraiment, et puis en plus, ça vous donnerait la possibilité de rencontrer des gens. Donc ça vaut la peine, appelez la mairie, voir ce qu'ils proposent. Il faut sortir un peu de cet isolement, puis envoyer un petit mot à votre fils, d'accord ? Il faut que je vous laisse, Michel, d'accord. Bon courage, mais merci allez-y, beaucoup, faites Caroline. La démarche, vous irez mieux. Merci au revoir, beaucoup, au revoir Caroline, Michel, au revoir. Je vous embrasse. Belle nuit à vous, à l'écoute d'Europe 1, excellent week-end, reposez-vous bien. Il est maintenant 1h, c'est l'heure des infos, présentée par Laurence Gontier. Bonsoir Laurence. Bonsoir Caroline, bonsoir à tous.